Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue sur la 2S TV. Aujourd'hui, depuis le Théâtre National Daniel Serrano, mais il s'agit de tout en réalité, sauf de spectacle ni de théâtre, mais bien entendu, le décor le montre à suffisance. Aujourd'hui, nous allons parler de l'agroécologie, c'est tout simplement de l'agriculture autrement. Parce que tout simplement, aujourd'hui, des femmes et des hommes soucieux du développement durable, cela veut dire quoi? C'est tout simplement le legs aujourd'hui qui est une responsabilité des générations actuelles vis-à-vis des générations futures. Comment faire de l'agriculture tout en préservant l'environnement? Raison pour laquelle aujourd'hui, depuis 2 jours à Dakar, se réunissent des femmes et des hommes qui sont assermenté dans le domaine de l'agroécologie et qui aujourd'hui font le prolongement de ces 2 jours de travaux ici dans la capitale dakaroise. On parlera de comment réduire les émissions de gaz à effet de serre, comment limiter au maximum le recours aux engrais et aux produits phytosanitaires dans l'agriculture. Beaucoup de gens qui sont dans le domaine sont là, des universitaires, mais aussi la Fédération nationale des agriculteurs biologiques au Sénégal, qui est en réalité la cheville ouvrière de cette journée, sera aussi présente ici et on entretiendra avec vous de ce grand concept qui a fini d'être une réalité dans les grands salons internationaux. C'est débattu, donc l'agroécologie aujourd'hui est débattue partout dans le monde. Donc, comment avoir un nouvel modèle agricole? La science de la gestion des ressources naturelles, c'est ça qui sera débattu ici avec d'éminentes personnalités, d'éminents intellectuels, des universitaires. Et c'est là aussi où nous serons avec vous pendant 2 heures, 2 tours d'horloge. Donc, comme nous l'avons dit, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous Daniel Serrano, nous avons dit théâtre nous avons dit théâtre nous avons dit que 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 nous avons dit agroécologie. Agroécologie, que nous avons dit ba mbayine mi gëna mu ci ayib nan lañuy def ba bay li nga xamanteni mom moy li ñuy dundé té duñ ci bolé li nga xamanteni mën na nasaxal suñu wër gëram loolu lañ fi nara waxtané tay ak ay borom xam xam ay nit yo xamanteni bayé ko nañ fep ci digënté Dakar ak Kees ak ci zone yu bari ci biir Sénégal ñoo fekk ci bës bi mu néra nek guddi go xamanteni guddi gu am solo la ndax aduna fofu la toll té suñu gouvernement ci seul référentiel des politiques publiques buñu am muy le PS dafa wax né tay bëgg nañu am un taux de croissance de 7% buñu maintenir d'ici les 10 ans. Agriculture warko firndel autosuffisance alimentaire waye nan lañuy def ba mu gëna mucc ayib. Donc monsieur ñu dalal ki nga xamanteni mom moy monsieur Omar Ba du président du réseau des communes et villes vertes du Sénégal, nek aussi ki nga xamanteni mom moy maire de Ndiop. Bonsoir monsieur Omar Ba. Vous êtes aujourd'hui en direct sur la 2S TV dans cette grande nuit de l'agroécologie. Est-ce que vous pouvez en réalité nous dire aux téléspectateurs aujourd'hui ce qui motive votre engagement à faire de l'agroécologie? Voilà, je vous remercie. Ce qui nous motive pour faire de l'agroécologie est très simple. On peut simplement constater que le Sénégal en particulier et l'Afrique en général a connu la sécurité alimentaire. On n'importait pas pour vivre, mais nous avons perdu cette sécurité alimentaire. Qu'est-ce qui nous a fait perdre cette sécurité alimentaire? C'est parce que on a détérioré et les sols ont perdu de leur fertilité pour, entre autres raisons, l'usage des pesticides chimiques de synthèse, la déforestation, l'usage des engrais. On a intoxiqué le sol, on l'a lessivé de telle sorte que les terres ne sont plus à mesure de produire assez pour faire vivre la population. Mm-hmm. Et c'est pour cette raison que nous avons opté pour l'agroécologie, mm-hmm. qui est une pratique agricole, mm-hmm. qui se fonde en tout cas, mm-hmm. sur l'usage de produits naturels, okay. de nature à pouvoir donc rendre au sol sa fertilité. Aujourd'hui, au-delà d'être le maire d'une commune du Sénégal, vous dirigez aussi le réseau des communes et villes vertes. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer, à travers bien entendu cette territorialisation des politiques publiques, aujourd'hui quel est votre apport par rapport à cette ambition-là de faire de l'agroécologie? Voilà, on est bien placé pour jouer un rôle important dans l'adoption de l'agroécologie comme méthode culturelle, mm-hmm. pour cette bonne et simple raison, mm-hmm. que d'abord, du point de vue institutionnel,
les compétences de l'agriculture, de la gestion des terres et de la gestion de l'environnement sont transférées aux maires. Aux collectivités locales. Donc ça nous concerne. Tout à fait. Deuxièmement, nous sommes des représentants des populations qui nous ont désignés pour défendre leurs intérêts et suivre en tout cas l'évolution de leurs activités. À ce double titre, je pense qu'on est très bien placé aujourd'hui pour parler de l'agroécologie et heureusement que pendant ces journées, les maires ont été à l'avant-garde. Nous avons des maires qui nous viennent de Tamba, de Kédougou, de toutes les régions du Sénégal qui sont venus apporter leur contribution et raffirmer leur détermination à faire de l'agroécologie l'agroécologie, donc à généraliser l'agroécologie au niveau du Sénégal. Et jusque-là, par rapport à quelles sont les actions qui ont été menées donc, de façon très efficace par votre réseau pour permettre à l'agroécologie d'être une réalité dans vos différentes communes? Voilà, donc nous avons d'abord essayé d'agir sur plusieurs leviers. Le premier levier, c'est l'éducation environnementale. Permettre aux jeunes, à partir de l'école, de comprendre les enjeux de l'agroécologie et la nécessité de restaurer la fertilité des sols, ramener ce qu'on appelle les jardins scolaires. Ça, c'est un premier levier. Le deuxième levier, c'est un levier de sensibilisation des populations pour leur permettre maintenant de comprendre pourquoi les rendements ont baissé et pourquoi on a perdu la sécurité alimentaire. Ça, c'est un programme de sensibilisation, un programme de démonstration qui leur permettra d'adopter donc des produits plus naturels, l'engrais organique et autres bioproduits dans le cadre du développement agricole. Le troisième allié, le troisième point, je vous permets de finir, c'est tout d'amener l'État du Sénégal à pouvoir soutenir les agriculteurs qui ont opté pour l'agroécologie. En quoi faisant? En subventionnant les intrants bio au même titre qu'ils subventionnent aujourd'hui les intrants chimiques. Puisque je pense qu'il y a subvention, on devait plus subventionner les intrants bio que les intrants chimiques. Justement, c'était ça la question aujourd'hui. Est-ce que votre cri du cœur est entendu au plus haut niveau? Est-ce qu'aujourd'hui les autorités au niveau central vous accompagnent dans cette ambition noble véritablement de pouvoir préserver la nature et l'état de nos sols? J'avoue que j'ai été très fortement impressionné par le discours de Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural qui nous a tenu un discours de militant de l'agroécologie. Ce n'était pas un discours de ministre. Il nous a dit très simplement pourquoi courir pour augmenter la production alors que ce que nous produisons est de nature à porter atteinte à notre santé. Mieux vaut produire mieux et produire quelque chose qui ne détruit pas la santé des populations. Et il a promis vraiment de nous accompagner, de nous soutenir, puisque nous avons demandé à ce qu'il y ait non seulement des subventions pour les intrants bio, mais ce qu'il y ait aussi des subventions pour la recherche, pour développer donc l'agroécologie au Sénégal. Très bien, monsieur Omar Ba nek ki nga xamanteni mom may maire deuk bobu ñuy wax Ndiop waye jité li nga xam mom moy réseau des communes et villes vertes du Sénégal. Tay nga ñew ci bës bi nga xamanteni japp nañ ne bës bu am solo la ci walu agriculture té suñu réew yi suñu njitu réew yi gouvernement bi japp bëgg am ambition am li du taux de croissance de 7% ñu japp né levier bi faire de lance bi tay agriculture la wara nek ñëpp daw jëm ci ñomit ñu daldi ci soñu nit ñi waye tamit leneen benen défi bi nga xamanteni am nañ ko moy nam bëgg nañ autosuffisance alimentaire nam bëgg nañu bay di dundé waye waru ñu yak li nga xamanteni mom moy souci waru ñu tamit utiliser ay produits yo xamanteni yu nocif la ci wër gu yaram ak yoy ban taxaway ngeen ci am tay ak lu sabab ngeen teunku tay ci ben réseau ngir jëmmal lolu. Waaw, donc mbay mom pour nga mon ci am li nga bëgg ñett ñoko yor ben bi moy yu bu baax ñaarel bi moy ndox ñettel bi moy suuf so amé yu bu baax am ndox mu bëri té suuf si ngoy def baaxul loy jitam dula may la nga xamantene mom nga doon xaar donc suuf dafa am solo ci mbay ñu am gis gis né amna ay at ci gannaaw daaw ñu won jéggani pour lek nitu taxi ñu doon joggé ci taxi dem ci kaw gi di ñaan mba yu leen di may su nekkene gum nuñ ba paré tay nak nitu kaw gi ñoy ñew ci taxi di sakku ndimbal
Donc li tax lolu am souf ci defa dé tout à fait li ko ray nak moy ni ñuy jëfëndiko souf engrais yu baaxul yek produit yu baaxul ñi ci def motax souf ci defa dé tout à fait motax nak ñun maire nga xamantene suñu sas la ñu jubru ci biiru agroécologie dundala souf ci ndax kat ci so xolé ci acte 3 de la décentralisation maire yi ci sañ sañ yi leen jox defo da ci bok gérer souf ci da ci bok gérer environnement bi donc lolu suñu war la ñaarel bi tam ñun en tant que maire ñoy représentant population yi donc lepp la nga xamantene laal na seen dundine war ñoo mëna intérêt suñu war ci soubu ma am may rafelu nak la taxawayu maire yi ndax tay maire yi joge nañu gox bu ne fi bekkedugu joge nañ fa ñew fekk ci tay journée nga xamantene mo lañu organiser très bien jërëjëf Omar Ba donc merci beaucoup monsieur Omar Ba maire de Ndiop président du réseau des communes et villes vertes qui était là pour nous parler un peu de l'engagement des communes parce qu'aujourd'hui vous le savez parfaitement avec l'acte 3 de la décentralisation. Il est question d'avoir des territoires viables et compétitifs et pour cela, il nous faut véritablement s'appuyer, nous appuyer sur l'agriculture, mais l'agriculture durable. Comment faire de l'agriculture autrement pour ne pas véritablement nuire à la population, nuire à véritablement à la santé de l'homme. Aujourd'hui, même ce concept qui est développé, qui est l'agroécologie aussi, l'est dans l'espace universitaire. Raison pour laquelle nous recevons ici M. Karamoko, Diarra, qui est universitaire et qui s'intéresse énormément à l'agroécologie. Comment est-ce que les gens, M. Diarra, ont fait aujourd'hui pour trouver cette symbiose entre l'agronomie et l'écologie? Merci beaucoup pour cette question. En fait, l'agroécologie, c'est en fait l'application de principes agroécologiques au niveau d'un espace en fait culturé. Et pour résumer, en fait, c'est faire de l'agriculture en respectant l'environnement et en respectant la santé des consommateurs. Produire mieux bien, mais en respectant l'environnement et la santé, pour faire vite quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'ambition notamment des pouvoirs publics, aujourd'hui on voit que l'agriculture figure en bonne place dans leur seul référentiel des politiques publiques qui est le PSE, mais ils veulent même maintenir aujourd'hui le taux de croissance à 7 ans sur 10 ans. L'agriculture est fortement convoitée aujourd'hui, on appelle même les jeunes à retourner vers l'agriculture, les femmes et autres. Avec cette course à une productivité de masse, à une production de masse, est-ce que ce sera facile véritablement de faire face à ces produits nocifs qui sont utilisés? C'est pour ça qu'il est indispensable de développer des formations, parce que l'agriculture, en fait, avant c'était l'agriculture productiviste, avec l'utilisation de beaucoup d'intrants, beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrais chimiques, et tout le monde sait que ces produits-là, en fait, à terme, sont nocifs pour l'environnement. C'est pourquoi nous, dès qu'on a commencé à nous intéresser en fait à cette problématique au niveau de l'université, notamment on a utilisé la réforme LMD des universités pour commencer à adresser ces problématiques, à développer des formations dans ce domaine, des masters, et là une licence en agriculture écologique et biologique avec ENDA. Donc dès qu'on a commencé à nous intéresser à ces problématiques là nous avons donc développé des curricula pour justement donner des compétences à nos étudiants dans le but de en fait les accompagner pour qu'ils appuient les communautés à la base. Parce que vous le savez, si des agriculteurs ne sont pas formés, ils développent des méthodes de production qui ne sont pas en fait durables, adéquates, et ça entraîne la pollution des aliments avec toutes les conséquences sanitaires que nous connaissons. Mais également, s'ils utilisent en fait des engrais chimiques, à terme aussi, ça provoque en fait la pauvreté des sols. Tout à l'heure, donc le maire de Ndiop l'a évoqué. Et donc l'idée ici, en fait, c'est d'adosser la formation à beaucoup de recherches, beaucoup d'innovations, et ça c'est le rôle des universités, afin de proposer des solutions alternatives, alternatives
à l'utilisation des engrais chimiques, notamment en utilisant des biopesticides alternatifs, des biofertilisants, et puis alternatives aux pesticides chimiques en utilisant donc des biopesticides, par exemple. Monsieur Diarra, aujourd'hui, une chose est de faire des recherches, de trouver des solutions. Une autre aussi, c'est la vulgarisation de ces études-là. Exactement. Et aujourd'hui, quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour permettre à ce président, à ce pays, à cet agriculteur, devrais-je dire, qui se trouve à Fongolemi, zone la plus reculée du Sénégal, aujourd'hui, de pouvoir comprendre que l'agroécologie est une alternative à même du fait, est une alternative au fait même qu'il sera plus possible de faire véritablement de se déplacer parce que tout simplement il aura des terres fertiles. Si je comprends bien votre question, en fait, l'idée, c'est la vulgarisation de vos études, la formation. Ça, c'est le rôle des étudiants que nous formons. Si on prend le cas de la licence en agriculture écologique et biologique que nous avons montée avec les partenaires, notamment ENDA et l'ensemble des acteurs, des ONG, des associations de producteurs, les maires, les sociétés privées. Donc, cette formation, en fait, a été portée par les acteurs à la base et l'UCAD en fait s'est contenté d'organiser et le produit final, les jeunes qui seront formés en fait seront destinés en fait à être injectés en fait dans le monde rural afin d'appuyer et de vulgariser l'ensemble donc des méthodes alternatives que nous développons. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez bon espoir par rapport à ça? Absolument, absolument, parce que comme vous le voyez, nous sommes ensemble au niveau de cette nuit de l'agroécologie, les universitaires, les acteurs, tout le monde ensemble, et on est en train de travailler au développement d'une plateforme nationale qui va regrouper l'ensemble des acteurs. Et si les gens sont ensemble, bien entendu, les solutions vont venir également. Très bien. Et la 2STV vous accompagnera dans cette ambition noble de faire de l'agroécologie une réalité au Sénégal. Merci beaucoup, monsieur Karamoko Diarra, donc d'avoir bien voulu répondre à notre invitation et de parler de ce grand concept de l'agroécologie ici, comme il l'a dit tout à l'heure, tous les acteurs du secteur, des chercheurs aux agriculteurs, tout le monde est là aujourd'hui réuni pour parler de l'agroécologie. Donc ce sera un grand moment de réflexion, un grand moment de partage encore une fois des deux journées qui ont eu lieu ici à Dakar pour parler de ce grand concept de l'agroécologie. Bien entendu, il sera question aussi encore une autre paire de manches par rapport à la vulgarisation de ces études qui seront faites, de ces recherches qui seront faites pour permettre à tout le monde de se l'approprier. Et comme vous l'avez constaté, le réseau des communes et villes vertes est bien là, bien présente pour accompagner cette dynamique par rapport à cette territorialisation des politiques publiques pour permettre aux autorités centrales de pouvoir avoir une agriculture saine et durable. Donc vous le voyez, la salle est archi comble ici au Théâtre National Daniel Sorano. Donc pendant deux tours d'horloge, vous verrez des communications fortes, des plaidoyers et du véritable militantisme pour permettre à tout le monde de pouvoir faire de l'agroécologie. Donc bien sûr, ce sera en direct sur la 2STV, qui est un partenaire du réseau national des agriculteurs biologiques du Sénégal. Et notre doyen, M. Abdoulaye Barry, va rapidement prendre le relais pour les différentes communications qui auront lieu ici tout à l'heure. Assalamu alaikum Mboromi. Jerejef, ñu ngi leen di wax bismillah fi di contane ci ci ñew ak bari way bi ngeen bari tax ñepp xam nañ ne tay du weekend jour semaine la waye ñepp bay nañ seeni soxla ñew fi pir ngir lan ngir mbay mi mbay mu sel itam ñepp xam nañ ne tay mbay ñepp ñu koy réhabiliter manam jox ko place bi nga xamne place bobu la war am ci bir rewmi ak ci bir adina parce que ñepp xam nañ ne mbay su demul ci karam dundu du mëna am. Donc ñu ngi lay di jaajeufal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nuit de l'agroécologie et nous vous remercions d'être venus si nombreux pour un jour de semaine, ce n'est même pas le week-end. Cela illustre tout simplement que l'agriculture est en train d'être réhabilitée, elle est en train d'occuper la vraie place, celle qui doit être la sienne, parce que tout le monde le sait, sans agriculture,
il ne peut pas y avoir de vie, tout simplement. Aujourd'hui, c'est la deuxième édition de la nuit de l'agroécologie. Il y en a eu l'année dernière. Et cette nuit a été organisée par Enda Tiers Monde avec ses partenaires. Et nous allons donc inviter tout de suite Mme Mariem Sow ici sur le podium pour qu'elle nous dise pourquoi avez-vous décidé d'organiser ces deux journées de l'agroécologie avec cette nuit aujourd'hui de l'agroécologie avec plein d'acteurs qui travaillent dans le domaine, des autorités, des gens qui sont dans la formulation des politiques, qui sont dans l'application des politiques, des acteurs à la base, des gens qui font eux-mêmes l'agroécologie, l'agriculture de manière générale, mais plus spécifiquement, cette agriculture saine et durable. Madame Mariem Sow. Merci Abdoulaye. Je ne sais même pas par où commencer. C'est d'abord remercier tous ces vaillantes et vaillants agricultrices, agriculteurs venus de toutes les régions du Sénégal et qui sont pendant 2 jours sont restés pour échanger, pour partager sur des situations qui préoccupent aujourd'hui le monde rural. Le monde des agriculteurs, le monde des éleveurs, mais le monde aussi des pêcheurs. Donc comment arriver à développer à renforcer l'agriculture paysanne africaine sénégalaise parce que l'atelier, les deux journées ont une dimension sous-régionale pour ne pas dire internationale. Et je crois qu'il est important qu'aujourd'hui les décideurs publics arrivent et je crois qu'ils le sont déjà, que l'agriculture prendra en compte de façon beaucoup plus décisive la sécurisation des ressources naturelles, le développement d'une agriculture saine et durable, mais en même temps la sécurisation foncière qui est fondamentale dans tout ça. Ablaye, pourquoi on organise ces journées? Nous avons démarré l'année dernière, novembre 2016, et aujourd'hui aussi, on a répété l'édition, et je crois que les éditions vont continuer autant que possible jusqu'à ce que l'agroécologie arrive à devenir un projet sociétal intégré dans les visions politiques de nos décideurs parce que c'est ça qu'il faut. Et ces deux journées ont eu une dimension particulière. Elles ont connu la participation d'un réseau de maires écologistes qui est né juste après les journées de 2016. Ces journées ont connu aussi une implication très forte de l'université Cheikh Anta Diop qui est en train de développer avec les agriculteurs, les ONG, une licence en agroécologie. Ces journées sont soutenus aussi fondamentalement par une fédération paysanne qui existe depuis 10 ans et qui s'agite autour de l'agroécologie. Elle s'appelle la FENAP, la Fédération nationale des producteurs bio. Ces journées
ne peuvent être bénéfiques parce qu'elles sont aussi soutenues par l'association de l'Académie des sciences qui est avec nous en 2016 et qui continue aussi avec nous. Et ces journées sont soutenues par une forte implication des femmes. C'est le réseau national des femmes rurales présidé par Mme Tine Ndoye. Ces journées ont connu l'implication des chercheurs éminents de la sous-région qui sont de la COPAGEN, la Coalition nationale pour la protection du patrimoine génétique, mais aussi des partenaires qui sont venus de l'extérieur de la Belgique, IPS Food, qui est là avec nous pour aussi renforcer nos réflexions. Et enfin, ces journées sont soutenues par notre organisation ENDA Tiers Monde. Et là, en tant que présidente du conseil d'administration d'ENDA, je ne pouvais pas terminer sans remercier l'État du Sénégal qui a donné un accord de siège à cette organisation de 72 à nos jours. Donc, merci le Sénégal. ENDA Tiers Monde, dans son intégralité, est là avec nous et en train aujourd'hui de célébrer ses 45 ans d'existence. Oui, nous sommes aussi, Mariam. Nous savons qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui sont venus de Koussanar. Nous avons des gens qui sont venus de Sori Fofu. Nous avons des gens qui sont venus de ñu bëggone rek nga wax ju li nga xamné ENDA Tiers Monde ak ñi nga xamné ñom la andal di liggéey tuddu nga leen fi gouvernement bi revers manam maire yi nga xamné ñu ngi yëngatu ci wal mbay mu sel ak ñeneen ñaari fan yeengi tacce fele ci place du souvenir di waxtaan di wéccanté ay xalaat ci wal ci sét naka lañuy fexé ba mbay mu sel momu muna gëna sax ci bir réew mi. Est-ce que mën nga ci déllu ci tuuti pour mbokk yooyu? Waaw, d'abord dama waxoon ni sànq maa ngi nuyu baykat yu jigéen yi ak baykat bu góor yi bayee ko si gox bu nekk ci Sénégal ñëw fekke si journée yi. Yooyu su ma ko waxee mooy dèjà c'est les partenaires qui sont dans les différentes régions écologiques. Ndax dama bañ djoum Ablaye lim sama limé djoum. Donc toutes les régions écologiques où évolue ENDA Pronat, où évoluent les autres ONG, nous ne sommes pas les seuls aujourd'hui à promouvoir l'agroécologie. Nous sommes avec d'autres ONG qui sont ici dans la salle. Donc ñoo ñep ñi ngi leen di gëreum, ñi ngi leen di sante. Ndax japp nañ ci vision bi. Ba déjà kurel yooyu lëkkaloo nañu, am na si ñoo xamante ni ba mexe lu ñu jógee ñu ngi fi toog. Fallu maa ngi lay nuyu mereto ñu ngi jógee si gox yu nekk di yëngatu si mbay mu sell te mucc ayib muy FENAP. Donc su ma tuddee FENAP, Fédération Nationale des Producteurs Biologiques, yaakaar naa ni kurelu baykat yëpp ñi nga xamante ni ñu ngi si mbay mu sell si mucc ayib gis nañ ci seen bopp. Donc ñu ngeen ñaari fan def ngeen ko daaw, def nañ ko ren, te inshallah rabbi feek nguur gi jëlagul mbay mu sell mi nga xamante ni moom la suuf si laaj, moom la jur gi laaj, moom la suñu wér gu yaram laaj, moom la suñu lekk laaj, tant que dugagul si politique publique yi ak bu yàlla sakk inshallah rabbi duñuy continuer di leen interpeller ñu xam ni si lañu bokk. Donc loolu na leer. Jërëjëf Mariam. Donc maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm la société civile. Ñoom ñëpp ñu ngi si biir salle bi ndax société civile bi lu tax ñu war leen gërëm ak surtout par rapport au CRAFS mooy le cadre de réflexion et d' action sur le foncier. Bu ñu demee ba nguur gi dëgmal réforme bi
bobu dafa taxaw ci wetu baykat yi ngir djel sen xel sen xalat naka luñu gisé réforme bi pendant 2 ans ñu and ko baykat yi di liggéey ba génné ci ay proposition and ko société civile défé nani amnañu ñaari président c'est grâce au CRAFS c'est là moussa nuyo président ma yobou won sen document ci président donc ça veut dire que CRAFS le cadre de concertation et d'action sur le foncier munuma lim mais ñi ngi len di remercier ndax xamnañ ni mbey mu selaté bu mucc ay buñu bëgg def ablay munu ñako saxal feek baykat bi amul contrôle momul soufam feek baykat bi nguur gi taralul ko ay politique agricole yu leer lu ko dalé ci production bi bi ci transformation bi bi ci njaay mi bi ci lek bi té mu contrôler marché bi ñu toj ko bu mu ni rap ñu bay jaay xaaliss bi ni gañ ben xalé dootul tukki donc lolu luñu bëgg mu feñ donc ma ngi gëreëm ñepp di delsi waat nak ci anniversaire enda tier monde moy suñu kurel defon nako ci début journée yi waye xamna ni dina metti mais dina len ko ñaan dama bëgg assemblée bi yop jog ci kanamu Sénégal ñu def ñu jox enda joyeux anniversaire jërëjëf maré joyeux anniversaire enda joyeux anniversaire merci beaucoup merci beaucoup jërëjëf maré am ngeen jërëjëf ma ngi nuyu ñëpp nak di nuyu sunu ministre de l'agriculture et ministre de l'élevage qu'on attend incessamment jërëjëf merci beaucoup maré merci beaucoup maré elle a bien dit donc cette nuit de les deux journées de l'agroécologie entre justement dans le cadre de la célébration des 45 ans de Enda Tiers Monde. Tout le monde le sait, au Sénégal, Enda a été l'une des organisations, vraiment, ils ont été des précurseurs dans ce domaine-là, en ayant démarré très tôt en parlant de lutter contre les pesticides, ça a commencé comme ça, et ça a évolué jusqu'à aujourd'hui, on parle de problèmes de sécurisation du foncier, de sécurisation des semences, du patrimoine génétique, etc. etc. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir dans la salle le secrétaire exécutif de Enda, qui va venir, qu'on va inviter, et qui va nous parler justement de cette organisation qui a aujourd'hui 45 ans, qui a atteint vraiment l'âge adulte et qui a beaucoup œuvré pour permettre aux citoyens d'avoir des solutions alternatives dans le cadre de leur développement. Je veux nommer M. Moussa Mbaye. M. Moussa Mbaye, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bala may tambali dama bëggone wax mbékté bu réy bi ñu am nga woté ñu wuyisi la. Lolu mbekté bu reey la té lolu gis nañ ko fi sen téway bu rafet bi ngeen andé ak Enda ñu ngi leen ci gëreem bu baaxa baax ñu am ci mbekté merci Abdoulaye de me donner l'occasion de nous exprimer dans cette excellente initiative pour laquelle je félicite à nouveau madame Mariam Sow et toute l'équipe d'Enda Pronat mais aussi tous les partenaires cette initiative qui ouvre donc les célébrations prévues cette année pour les 45 ans d'Enda Tiers Monde. Et pour mon propos, vous me permettrez, vous me concéderez de d'abord donner la parole à l'illustre Jacques Bignoucourt, fondateur et premier secrétaire exécutif d'Enda Tiers Monde.
qui s'est donné, qui a sacrifié toute sa vie pour la cause des plus démunis et des plus vulnérables. Je cite Jacques Bignicourt. Il dit « Transformer l'environnement du tiers-monde et développer nos pays par l'action, par les populations. Voilà le but d'Enda Tiers-Monde. » Ici, quand on parle d'environnement, on parle d'environnement naturel, mais aussi de notre environnement social, culturel, et même technologique ou politique. Et Jacques Bignicourt disait, sa méthode, la méthode d'Enda, consiste à démontrer, à partir de quelques actions concrètes, que c'est possible au niveau des paysans et citadins, que les cadres, s'ils changent d'attitude, peuvent y aider, et qu'à partir de l'action et de la recherche, il est possible d'élaborer progressivement une nouvelle approche de développement. Enda, environnement et développement, qu'il s'agit d'articuler systématiquement, voilà ce qui est fondateur d'Enda, c'est l'éco-développement, que plus tard on a donné le vocable de développement durable. Enda, environnement, développement et action. Voilà que la recherche, action, formation et la participation authentique étaient érigées en un chemin incompressible pour la prospérité des peuples et la justice sociale. Nous avons donc, chers amis, la fierté de fêter aujourd'hui une organisation, que dis-je, une institution. Je prends le mot d'un citoyen qui disait que Enda est un capital pour les sociétés civiles du Sud. Enda est l'unique exemple, à ma connaissance, d'une organisation à caractère associatif, une organisation internationale qui soit présente sur les quatre continents, l'Afrique, toutes les sous-régions, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine et l'Europe, et qui soit née ici au Sud, ici au Sénégal, de l'action d'intellectuels, de militants et de praticiens qui sont sortis de leur zone de confort, qui sont sortis de leur bureau, de leur climatiseur, de leurs bonnes conditions pour dire qu'il nous faut aller à la rencontre des acteurs populaires. Partout, Enda Tiers-Monde est connu comme bâtisseur d'alternatives pour aider à sortir des impasses et contribuer à une société juste et conviviale pour toutes et pour tous. Enda est resté assujetti aux besoins exprimés par les communautés de base et par toutes les parties prenantes des politiques publiques et se déploie sur l'ensemble des domaines qui constituent les 17 objectifs de développement durable. Sur les quatre continents dont je parlais, avec 24 entités dont les interventions touchent plus de 80 pays à travers le monde, avec une capacité à produire des résultats qui n'est plus à démontrer, et aussi une façon unique d'articuler les savoirs scientifiques et les savoirs issus de l'expérience, les savoirs locaux et endogènes. Cette célébration, moment de bilan et de prospective, nous permettra de raffermir notre identité et notre cohésion, certes, d'être plus à l'écoute des communautés sur ce qu'elles attendent de nous. Mais cette célébration, nous sommes surtout motivés à la faire en direction des nouvelles générations d'Enda, en direction de la jeunesse africaine et du Sud. Parce que nous sommes à un moment crucial où il s'agit de construire un monde multipolaire et où l'Afrique, objet de toutes les convoitises, doit s'affirmer comme un acteur respecté, ayant pris en main son destin, et parce que nous savons qu'il y a pour ces jeunes un trésor d'apprentissage qui peuvent être tirés de l'expérience d'Enda. Pour doter cette jeunesse africaine de la force dont elle a besoin pour bâtir ou rebâtir la confiance, l'estime de soi et l'espoir de s'épanouir ici en Afrique, au lieu que notre jeunesse soit sacrifiée dans la mer Méditerranée ou dans les déserts libyens. Au-delà de cette occasion, nous vous invitons donc à partager avec nous les moments phares de cette semaine de lancement. Déjà demain,
nous continuons avec l'université citoyenne qui aura lieu du 7 au 8 février à la place du souvenir africain sur le thème « Quelles conditions pour un changement authentique, profond et durable au Sénégal et en Afrique ?» À partir des politiques publiques, à partir de l'action citoyenne et à partir des apports des institutions qui sont dédiées à la production du savoir. Le même jour, nous aurons l'occasion, quand nous aurons fini l'université citoyenne, le 8 à midi, dans l'après-midi, de faire l'inauguration de l'immeuble Denda qui est à la rue Carnot, qui désormais va porter le nom de Cheikh Amidou Kane, à qui nous voulons rendre un hommage, un compagnon de Jacques Bignoucourt, mais aussi quelqu'un qui a été un inspirateur de l'action Denda Tiers-Monde, notamment dans le volet jeunesse, et qui nous a accompagnés pour assurer la résilience d'Enda, surtout au moment où Jacques Bignoucourt nous a quittés. Nous vous invitons donc à nous accompagner aussi à la grande marche du samedi 10 février sur le thème de la souveraineté, sur le trajet qui part du jet d'eau Liberté jusqu'au parc de Anne. Restez avec nous pour cette semaine de célébration, restez avec nous pour qu'ensemble nous trouvions notre voie propre de développement. Vive Enda, merci à toutes et à tous, merci de votre attention. Merci Monsieur Moussa Mbaye, secrétaire exécutif de Enda. Et comme on l'a dit tout au début, cette nuit de l'agroécologie et les deux journées de l'agroécologie font partie justement des manifestations qui célèbre les 45 ans d'Enda. Au passage, nous annonçons la présence ici parmi nous de Mme Aminata Mbeng Diaye, ministre de l'Élevage, à qui nous souhaitons la bienvenue dans cette salle. Donc, M. Moussa Mbaye a parlé de Enda, a fait l'historique Enda depuis 1972 jusqu'à nos jours. Maintenant, il y a un petit film qui va nous permettre justement de voir un peu ce que c'est qu'Enda et l'apport de Jacques Bignoucourt et de Cheikh Amidou Kane qui ont permis la réalisation, la création de cet outil, comme l'a dit M. Moussa Mbaye tout à l'heure, qui est présent sur quatre continents et qui a été créé ici au Sénégal, chez nous, et qui est connu en Amérique latine, en Europe, en Asie, au Proche-Orient et partout dans le monde. Tout de suite donc le film. C'est un grand serviteur de l'État. Mais Cheikh Amidou Kane a d'autres qualités, bien sûr, au-delà du fait qu'il a été président d'Enda et qu'il a accompagné Enda dans ses bons et mauvais moments. Lorsqu'on dit de l'œuvre de Cheikh Amidou Kane de l'aventure d'Ambéry, que c'est un classique africain et universel. Quand on parle de Cheikh Amidou Kane, c'est un monument culturel, c'est un monument politique et c'est un monument social qui a participé pas seulement à la construction de Enda, mais surtout à la construction du Sénégal. C'est tout naturellement que j'ai mené les activités qui ont rempli ma vie. Cheikh Amidou Kane, c'est bien sûr Enda Tiers-Monde. L'histoire de l'homme et de son engagement citoyen est indissociable de celle des bâtisseurs d'alternatives pour un développement durable. Je dirais que nous lui devons de lui rendre un hommage vibrant pour ce qu'il a été, ce dont il a été le témoin en tant qu'intellectuel, en tant que quelqu'un qui s'investit sur les questions de la nation, politiquement, et aussi de par son engagement dans le développement. Enda Tiers-Monde, dans sa globalité, honore son président d'honneur, donc un fidèle serviteur de Enda, en lui donnant l'honneur
de l'immeuble Carnot qui est un patrimoine d'Enda. Donc à partir de maintenant, l'immeuble Carnot sera l'immeuble Cheikh Hamidou Kan. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet, si je puis m'exprimer ainsi. Nous sommes tous venus ici ce soir pour parler d'agroécologie. Cette, je ne dirais pas une nouvelle forme d'agriculture, parce qu'à l'origine, c'est cette forme d'agriculture qui a été pratiquée en fait. On est juste en train de revenir sur nos pas. Et comme on le dit en Wolof, Quand on ne sait plus où est-ce qu'on va, on retourne de là où on vient. J'ai l'impression que c'est ce qui est en train de nous arriver en ce moment. Et donc, comment faire pour allier l'agriculture qu'on appelle industrielle et cette autre agriculture beaucoup plus respectueuse de l'environnement, qui est beaucoup plus durable et qui prend en considération la santé animale et la santé humaine. Et donc pendant 2 jours, il y a eu des expositions à la place du souvenir africain, mais il y a eu également des échanges très intenses entre différents experts, praticiens qui sont venus d'horizons divers et qui ont échangé pendant 2 jours. Nous reviendrons d'ailleurs sur les conclusions et sur les recommandations de ces deux journées de réflexion et d'échange. Mais d'ici là, pour ceux qui n'ont pas pu être présents, un petit film, un petit résumé de ce qui s'est déroulé entre hier et aujourd'hui à la place du souvenir africain. La dégradation des sols, la désertification, l'érosion des ressources génétiques, les effets des changements climatiques et le système d'agriculture conventionnel sont autant de facteurs qui limitent la capacité des populations à accéder à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Toutefois, ces conditions peuvent bien être absorbées par un modèle agricole et alimentaire alternatif qui est l'agroécologie, dont la multifonctionnalité permet de relever plusieurs défis. D'où l'importance de ces journées sur la question marquant les 45 ans d'Enda Thiar. Il y a plusieurs risques. Il y a ce que j'appelle les risques sociaux. Parce que déjà, le métier d'agriculteur, de pêcheur et d'éleveur n'est pas reconnu comme étant un métier comme les autres. Donc il doit bénéficier de l'ensemble de l'accompagnement. On a des risques qui sont des risques physiques aujourd'hui, où nous avons des modifications du climat, et qui doit permettre aujourd'hui de repenser les modes opératoires en matière de l'agriculture. Depuis quelques années maintenant, de nombreuses initiatives sont mises en œuvre pour le développement de l'agroécologie en Afrique de l'Ouest. C'est notamment le cas avec Kanda, Pronat et ses partenaires paysans qui, depuis les années 86, encouragent à travers l'expérimentation l'adoption par les communautés rurales d'une approche de développement basée sur des principes agroécologiques. Enda Thiar Monde fête cette année ses 45 ans avec cette journée de l'agroécologie. Le caractère innovateur d'Enda Thiar Monde, environnement et développement, en 72, personne ne parlait de développement durable. Et c'était le sens en fait de cette organisation. Le foncier est source de conflit dans beaucoup de pays d'Afrique. Pour une gestion rationnelle, la société civile invite l'État du Sénégal à accélérer la mise en œuvre du processus de réforme foncière. Parce que l'État est obligé de redoubler d'efforts pour qu'on diligente ce processus de réforme foncière. Et en tout cas, nous, en tant que société civile, nous n'allons pas baisser les bras. Nous avons formulé une feuille de route et nous allons continuer à travailler. Face aux multiples conflits notés dans les collectivités locales, les maires demandent un accompagnement à travers le renforcement des capacités afin de comprendre les enjeux des investissements agricoles. C'est que l'Afrique recèle aujourd'hui 60% des terres cultivables. Les autres continents n'ont plus d'espace pour cultiver pratiquement. Donc, pour répondre aux besoins de leur population, ils sont dans une logique d'externaliser leur agriculture. Mettre à niveau les collectivités, les maires que nous sommes, les mettre à niveau, les former, les encadrer, les accompagner
pour que vraiment on puisse donc mettre en corrélation l'exploitation efficace et efficiente de ces terres. Tout d'abord, je voudrais féliciter Enda Pronat d'avoir eu cette heureuse initiative de réunir les utilisateurs afin que nous puissions discuter sur l'agroécologie. Je dois dire que le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural estime que l'agroécologie mérite une importance primordiale. Pourquoi ? On parle de plus en plus de la nécessité de produire plus et mieux. Produire plus et mieux doit signifier nourrir le monde sans le détruire. Et pour nourrir le monde sans le détruire, on doit être en mesure de concilier trois enjeux majeurs. Le premier, c'est les enjeux socio-économiques. Le deuxième, les enjeux de santé publique. Et le troisième, les enjeux environnementaux. Car c'est cela qui permettra d'inscrire les agricultures du monde dans la durabilité. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire avec force et conviction que dans chaque pays, on doit veiller à ce qu'il y ait une solidarité générationnelle agricole. Cela signifie que les générations actuelles doivent se nourrir et permettre aux générations à venir de pouvoir en faire de même. C'est ce que nous appelons la solidarité générationnelle agricole. Il faut aussi que, à l'échelle de l'humanité, qu'il y ait un code de bonne conduite agricole respecté par tous les pays afin que nous puissions faire en sorte que les agricultures du monde puissent aussi être dans la durabilité. En ce qui concerne l'agroécologie, il y a beaucoup de préjugés. Préjugés portant principalement sur la relation entre agroécologie et productivité. Ici au Sénégal, nous avons lancé des projets fondés sur l'agroécologie, projets que nous avons appelés la gestion intégrée de la production et des prédateurs. Avec ces projets, on s'est rendu compte que les rendements peuvent augmenter de 35 à 40% et on réduit de façon significative l'utilisation de pesticides. C'est dire donc qu'on peut faire de l'agroécologie et avoir une bonne productivité. Enfin, il faut retenir que le productivisme a ses limites. Avoir des rendements très élevés, c'est bien, mais lorsqu'il faut utiliser les produits issus de ce productivisme pour se détruire, peut-être qu'il vaut mieux ne pas manger. Or, avec l'agroécologie, je pense qu'on peut manger des produits sains, avoir une vie active et équilibrée, tout en passant aux générations futures. C'est pourquoi nous avons prescrit à l'ensemble des chercheurs de l'ISRA de continuer à travailler sur l'agroécologie pour que nous puissions avoir des itinéraires techniques plus conformes aux trois enjeux que je viens de signaler, à savoir les enjeux socio-économiques, environnementaux et de santé publique. Donc j'encourage tous les participants. Il n'est pas facile de promouvoir de nouvelles technologies, mais à force de sensibiliser les uns et les autres, enfin, nous allons tous prendre une conscience de la nécessité d'approfondir de telles approches. Et au-delà de tout, il est important de préciser que les agricultures du monde vont se développer grâce à une diversité des approches. Par conséquent, l'approche agroécologique mérite respect et considération. Je vous remercie. Tout d'abord, je voudrais féliciter Enda Pronat d'avoir eu cette heureuse initiative. Voilà, merci à la régie. C'était donc le résumé.
Voilà, merci la régie. Nous revenons dans la salle. Nous avons entendu carrément un plaidoyer du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement Rural qui a effectivement prôné qu'il y ait la diversité d'approches. Et parmi ces approches, l'agroécologie effectivement a sa place. Il a dit aussi qu'il faut produire mieux, mais aussi il faut produire plus. Parce que comme vous le savez, dans les années qui vont venir, un humain sur deux vivra dans les villes. Et ceux qui vivent dans les villes ne produisent pas. Et ils doivent manger. C'est donc une petite partie de la population qui devrait produire pour la majorité qui serait en ville à s'occuper d'autres tâches. Comment concilier ces deux préoccupations? Voilà justement la grande question à laquelle il faudra trouver des réponses. Je ne dirais pas une réponse, mais des réponses. Aujourd'hui, il a aussi parlé des techniciens de l'ISRA qui ont reçu instruction de travailler pour apporter des solutions. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir un de ces ingénieurs, un de ces chercheurs plutôt de l'ISRA dans la salle. Je veux nommer M. Mamadou Ndiaye. Et on va l'appeler sur ce plateau pour qu'il nous parle un peu justement de cette productivité tellement importante. Est-ce que agroécologie peut rimer avec bonne production? M. Ndiaye, si vous pouvez venir ici, Mawar Korekti Wolof Itam, pour tout le monde qui a été ici, Nasaran. Sank dañu woné ben reportage bo xamné dafa def résumé bu ndaw ci li nga xamné jot nañ ko jot na am ci place du souvenir ci ñaari fan yi ñu tégal leen itam ben intervention ministre de l'agriculture et de l'équipement rural Pape Abdoulaye Seck bo xamné rafetlu na li nga xamné ñu ngi koy liggé ci walu agroécologie parce que néna xam nañu né mbay boy bay pour nit ñi lek la waye nak boy jox nit ñi na nga len jox lo xamne dafa sel te du len indil ben gañ gañ neena lolu gouvernement bi tamit taxaw na ci pour nga xamne da lañ ci duggal sen loxo jox wax chercheur yi manam ñi nga xamne gëstu kat yi lañu di nek fele ci ISRA pour nga xamne da lañ mëna ñew dimbalé baykat yi indi len ay solution tay nak yalla dimbalé nañu am nañ ci kenn ko xamne mo ngi fi ci ñun nek Mamadou Ndiaye tuddu Mamadou Ndiaye nek chercheur fele ci ISRA. Monsieur Ndiaye, ouvrez justement la question qu'on a envie de vous poser. Est-ce qu'avec l'agroécologie, on peut produire plus? Parce que c'est une vraie préoccupation. On veut avoir des aliments sains, mais aussi on veut remplir les greniers. Est-ce que c'est possible? Merci, Monsieur Ndiaye. Je pense que si je devais répondre à cette question, je dirais d'emblée oui. Mais je voudrais avant tout contextualiser un peu l'agroécologie dans l'agriculture. Parce qu'on ne peut pas aussi proposer des innovations sans pour autant connaître quels sont les problèmes ou les contraintes à lever. Et je voudrais dire que je vais centrer mon propos sur la gestion de la fertilité des sols. Parce qu'on sait que actuellement le support nourricier de toute la production, c'est le sol. Alors, sur ce point, est-ce que c'est possible de produire plus et de façon saine? Alors, la recherche, de façon générale, a mis au point des technologies. Des technologies éprouvées, c'est-à-dire productives, économiquement rentables, mais socialement et environnementalement acceptable. Parce que c'est seulement en respectant ces trois critères qu'on peut, en tout cas, faire diffuser cette technologie. Alors, l'agroécologie, les technologies, il y en a beaucoup, mais pour rester dans l'approche agroécologique, je vais en tout cas montrer, en tout cas, partager avec vous quelles sont les technologies dans le cadre de promouvoir cette agroécologie qui peuvent permettre de remplir ces trois critères, notamment la production. Alors, ces technologies sont essentiellement basées sur la matière organique. Je crois que c'est ça. Pour produire durablement, il faut rehausser le statut organique des sols. Et je pense que c'est fondamental
Donc, pour en citer quelques-unes, je pense que la valorisation de cette matière organique peut se faire de façon brute, via l'animal, dans le cadre de l'intégration agriculture-élevage, valoriser toutes les formes possibles de matière organique. Alors, les technologies que je vais énumérer, il y en a beaucoup, avant d'être diffusées ou vulgarisées, sont éprouvées du point de vue productivité, j'ai dit, rentabilité et acceptabilité du point de vue environnement et socialement. Alors, je vais en citer quelques-unes. Valoriser cette matière organique sous forme de fumier ou sous forme de compost, mais également valoriser cette matière organique via l'animal, parce qu'en fait c'est important d'avoir une vision intégrée de l'approche agroécologique. Alors, le fumier, je pense que c'est éprouvé, c'est une technologie qui permet de rehausser, d'augmenter les rendements. Cette forme de matière organique peut être, la qualité de ce fumier peut être améliorée à travers l'animal, par le biais de la supplémentation. La supplémentation via l'animal permet d'augmenter la qualité de ce fumier et donc améliorer davantage les aspects de productivité. Le compostage. Je pense que l'approche compostage doit se faire valoir dans les zones à forte productivité de biomasse et mettre un accent particulier dans les zones sur le fumier dans les zones où la biomasse est assez réduite. Je crois que c'est des orientations et des approches pour essayer d'où où est-ce qu'on va diviser cette technologie. Alors, le fumier augmente le rendement, surtout dans le bassin arachidier, c'est déjà prouvé. Le compost, n'en parlons plus, mais ce qui est, disons, pour le compost, la particularité, c'est on peut, disons, faire le compost, avoir du biogaz et avoir aussi un engrais organique qui va rehausser le statut organique des sols et augmenter le rendement de façon durable. On ne s'arrête pas là, parce que ce compost, seul ou associé avec d'autres sources de fertilisation, augmente, c'est prouvé, le rendement. Donc, l'autre orientation ou axe de valorisation de cette matière organique, c'est l'utilisation de résidus de poissons. Parce que tout le monde sait que tout le long des plages, il y a des activités de transformation du poisson fumé. Les résidus issus de cette transformation peuvent être valorisés comme étant un engrais biologique. Et c'est prouvé que c'est un engrais non seulement qui rehausse la fertilité des sols, mais qui augmente le rendement, qui est rentable et qui, environnementalement, permet d'assainir les plages, de la salubrité, mais aussi diminuer l'usage des engrais chimiques qui vont polluer les nappes. Alors, je pense qu'aussi, dans cette optique de développement des technologies agroécologiques, il faut faire revenir l'arbre dans le système de culture. Si on prend l'exemple d'Acacia albida dans le bassin arachidier, on a une technologie qui consiste à faire une régénération naturelle assistée pour faire persister l'arbre dans ce système de culture. Il faut également, on peut également, disons, introduire l'arbre dans le système de culture de façon ordonnée, comme les cultures en couloir. Et ça, l'utilisation de la biomasse de l'arbre à la culture, non seulement permet de augmenter le rendement, mais aussi d'améliorer de façon durable la fertilité des sols. Il y a d'autres techniques de GDT qui seraient longues d'évoquer. Mais pour répondre très concrètement à cette question, est-ce qu'avec de l'agriculture durable, avec l'agroécologie, il est possible d'augmenter les rendements? J'ai dit oui, et il y a des techniques, des technologies, des innovations qui permettent de le montrer. Alors, pourquoi ces innovations sont facilement acceptables? Parce que ces innovations sont fondées sur le savoir et le savoir-faire
des producteurs. Je crois que c'est important pour permettre, en tout cas, la facilité d'acceptation de ces technologies au niveau de ces producteurs. Parce que si c'est fondé sur le savoir et le savoir-faire, pratiquement, elle est performante, elle va être plus acceptée. Donc, on dispose d'une panoplie de technologies qui rentrent dans l'approche agroécologique, qui permettent d'augmenter le rendement, mais de façon durable, parce que le statut organique, la matière organique, un sol dont la matière organique est très faible, n'est pas un sol productif de façon durable. Donc, rehausser le statut organique des sols, c'est une orientation forte en termes d'agroécologie pour augmenter de façon durable la productivité, mais aussi laisser aux générations futures un sol non dégradé et qui peut être nourricier pour les générations futures. Voilà un peu de façon ramassée ce que je voulais dire en répondant à cette question qui est assez fondamentale, parce qu'il y a beaucoup de technologies, mais j'en ai choisi quelques-unes pour montrer que c'est possible dans cette approche agroécologique d'augmenter la productivité des cultures. Donc vous nous rassurez un peu, M. Ndiaye, c'est possible d'accroître les rendements avec l'agroécologie, mais est-ce que c'est sur de petites surfaces ou de grandes surfaces? Parce qu'il y a peut-être certains qui vous diront, pour faire des centaines d'hectares ou des milliers d'hectares de riz, est-ce qu'on pourrait avoir accès à ce produit compost que vous décrivez pour pouvoir accroître les rendements? Est-ce possible? Alors, je pense qu'il y a quand même des contraintes d'utilisation de certaines technologies, mais qu'on peut lever. Est-ce que c'est possible d'utiliser certaines technologies à grande échelle? Je vais prendre le compostage en anaérobie qui permet de produire du biogaz et de l'engrais naturel. Je pense que le modèle transpire avec un digesteur, c'est des technologies qui sont applicables, par exemple, à l'échelle de la commune ou à une échelle beaucoup supérieure. Donc, alors, on parle de déchets urbains. Je crois que c'est une problématique qui est là. Et je pense que le modèle transpire, les digesteurs, est une forme, en tout cas, d'utiliser à grande échelle, disons, cette technologie qui consiste à faire un compostage avec production de biogaz et d'engrais minéraux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres technologies à grande échelle? Moi, je pense que le fait d'intégrer l'arbre dans le système de culture, je crois que cette intégration peut se faire à une échelle communale ou à une échelle, disons, supérieure. J'ai donné deux exemples pour voir quelle est la mise en échelle de ces technologies et quelle est cette possibilité. Si je reviens, par exemple, aux résidus de poisson dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que si on a fait des estimations sur les captures annuelles au niveau de Mbour, par exemple, du centre de débarcation de Mbour, annuellement, on débarque 200 000 tonnes. 200 000 tonnes de sardinelles. Et le processus dégage 20% de cette production en résidus de poisson. Alors, l'intérêt, c'est ça. C'est quoi? C'est que on peut avoir, disons, une application à grande échelle, mais ce qui est important, c'est que c'est un amendement, c'est un engrais organique qui a un effet à longue durée. C'est-à-dire, si on applique cette année, je pense qu'on peut rester encore 1 à 2 ans sans pouvoir renouveler l'application. Donc, disons, potentiellement, voilà une technologie qui peut être utilisée tout le long de la grande côte, de la petite côte, le long des fleuves Sine Saloum et de la Casamance. Je crois que la mise en échelle de cette technologie ne pose pas trop de problèmes. Alors, pour le fumier, la matière organique, je pense qu'il faut agir de façon stratégique. Je l'ai dit tout à l'heure, là où il n'y a pas assez de biomasse, je crois qu'il faut valoriser cette matière organique via l'animal. Donc, une intégration agriculture égale.
élevage, ça, c'est quelque chose qui peut se faire à très grande échelle. Merci, M. Ndiaye, de votre intervention et du partage de ces technologies qui ont été mises au point, enfin, qu'on peut retrouver au niveau de l'ISRA, sur lesquelles vous avez travaillé et que vous êtes en train aussi de vulgariser au niveau des populations. Nous allons accueillir maintenant un praticien, Legui Wartan Nankinga Khamne, Nyom Nyoy Gustukati. Waye légui ñu waxtaan ak ko xamne mom da fay bay ci bopam yoré tolam Moussa Fay Meysa Fay bi nga xamne mom moy président fédération Wobine mu ñu wax ñu mom tam lu mu xam ci wal mbay mu sel mi est-ce que mbay mu sel mom mu na fexé ba ñu am rendement yo xamne dañ mëna goob ba nga xamne dañ mëna régler problème dund bi Meysa ça va Salaamu alaykum ñu ngi nuyu képp ko xamni tew na fi di ci jital suñu autorité yi ministre yi di jital société civile bu ma waxé société civile damay jël suñu maire Marème Sow la battante ko xamni daf ma inspiré lu béré ma tek ko ci kanamu société civile bi kuma tudul turam ñu ci bari xamna len mais damay jéggulu suma ko nuyo à travers enda pronat ngank crafts ñoñu groupement yoyu yépp ma delu tamit nuyu wa fenap dudu job ibrahima sek ak équipe bi nga xamni ño nek seen gannaaw di delo ñukël bu baax nak ñi nga xamni tay ji buñu ñëwé dajé fi ñom ñoo tax ñuy ces populations laborieuses muy paysans yi nga et paysans yi nga xamni ñom ñe nek ci biir salle bi dana bëgg torop nak di wax ci kalam wolof parce que auditoire bi nga xamni mo fi nek bo xolé 90% yi wolof la té li nga xamni mom lañuy liggéey wolof dafa wax ni ken du meuna lek ci sa lamu ñu morom muy saf sa lamagn rek ngay meuna lekke mu saf kon li ñuy wax madame le ministre maire sow ci wolof lañ koy waxe dañu wax ni mbey mu sel te mucc ayib ndax meuna dundal borom ndax meuna dundal rew mi ndax meuna dundal aduna hakay mbey mu sellatu mucc ayib fimi jëk dundalé aduna moy d'abord la personne nit ku sell te muccelé d'abord sa comportement sa yéné sa xam xam bi nga xamni mom nga am l'esprit de partage ci biir société bi nga xamni mom ngay dundu yéné mo ci ëpp solo bu jëk ba mag ñi dañ daan am lak bu ndaw fagu seen jiwu bop c'est important indépendance ci jiwu bu ñu fago seen jiwu bop dem ci tol yi ñi ñuy jëk yeen ci tal yi moy mbindefun yi nga xamni mom lañu yalla bolel moy ñi nga xamni ñoy ram ci suuf moy ñi nga xamni dañu rëcc ci all bi moy ñi nga xamni amuñu kër mënu ñoo liggéey amuñu fuñu dundé nit rek mo leen wara mëna dundal te yalla mo leen bolé ak mom ñoñu ñepp ku nekk ñu yéene la ci li nga xamni mom lañuy bay lutax yéene parce que wolof da fay wax ni yéene nek la boroma cey fanan mais so ñëwé tay ci agriculture bi nga xamni mo ne li ngay jëkke def moy li ngay wax prédateur yi da nga leen di jéma ray les ennemis naturels nga ray leen ñi nga xamni yalla daf la boole ak ñom ci biir tol bi ñuy liggéey am jambarte go xamni bu teddé di nalaw ñu ngi liggéey ci tool bi di ci def lo xamni yow defulo ko ci nga ñew ray leen yow kaña ngay am productivité kaña ngay yéene ko xamni yalla ko def boole ko ak yow est ce yéene bobu nga ko ñak yéene yow di nga am donc sur le plan culturel et cultuel ci ngëm ci teranga ak yéene doomu aadama ak mbindaafun yi
li nga xamni mom nga bëgg am fofu la agriculture écologique biologique commencé fagu jiwu def ko ci souf ci yar jur parce que chaîne la tay bo defé conventionnel def agriculture biologique conventionnel dafa lay waxal toba saxal mbama sulli agriculture biologique dafa lay waxal wakirul wakirul moy lan dugalal nga xaar yalla imiter suñu borom li nga xamni mom lay def ci processus yi gëna normal ci écosystème bi processus bi nga gëna normal ci germination processus bi nga xamni mom moy dem ba indi la lo xamni boko dundé di nga wër wër d'abord pour nga mëna produire processus bo xamni soko respecté sa souf bi nga xamni mom nga yor dina wër processus bo xamni soko respecté ci gantax bi nga xamni mo ci jundu dina wër té di nga ko mëna dencé lu yag diko consommer lu yag mais processus bo xamni écosystème bi yeb dang koy ray def monoculture Allah bu ne mayay nga jël say machine danel garab yeb lal sa gerte talal Yalla du def monoculture amul fenn fu Yalla defé monoculture Yalla agroécologie lay def agriculture biologique bo xamni da fay jël cycle normalam di revenirat fep fo fek Yalla sanni fa ay gantaxam ay grainam ding fa fek bu ndjol fek fa bu gat ci garab fek fa arbre bu ramper fek fa ñax ak ndundé fi nga xamni yépp dañuy composer fofu toujours day nat bo ñëwé ci sëñ bi kenn duko passan lepp luñu raxas fa lañ koy sanni mais gantax ku sëñ moy gantax bi gëna rafet moy gantax bi gëna yag kon agriculture bi nga xamni mom lañuy def ah kay da fay am ay rendement yu baaxa baaxa baax man ma présenté wat man may président fédération wobine bu keur moussa wobine may saluer au passage sen membre moy wote benno indi natangé ku wote bayyi wo ken ku benno exclure ken ku bëgg natangé yaangi bëgg indi émergence ci sa dëkk kon nañu essayer imiter l'agriculture de Dieu li nga xamni tay mo fi nek actuellement ni ñu ne ah kay tant que yaangi poser waji nek est-ce que à grande échelle meun nañu produire bien sûr à grande échelle meun nañu produire avec le maximum de main d'œuvre avec le maximum de surface divisé entre agriculture exploitation familiale fo exploitation familiale bu ci nek am autonomie en matière de semences am autonomie ci appui bo xamni tay ji avec du matériel bo xamni naturel ay fas ay charrette yo xamni duñu yak souci ñoñu bo pro ki exploitation familiale bo ci appuyer avec une bonne gestion de l'eau de maîtrise d'eau suñuy semence ñu am ci indépendance lolu forcément dinañu am une agriculture bo xamni dinañu mëna dundal parce que chaque famille bu féké ni dina produire lu koy dundal at ba at ñew ñu tek le système 4C cultiver consommer commercialiser conserver pour li nga xamni dewen da nga ci mëna defat diwu départ ak nak bolé ko ak ce qu'on appelle une arboriculture bo xamni tay da nga koy duggal ci ce bi avec une diversité de plants yo xamni mom ngay bay ce qui veut faire que ni chaque mois dina am loy wit durant toute l'année mais limay wa danelé lol yeup pour mu meuna né l'état du Sénégal les collectivités locales les ONG les bailleurs fenn rek lañ ñu meuna dimbalé il y a ce qu'on appelle les eaux souterraines les eaux de surface ak ndox mi nga xamni mom la yalla di taw si je prends l'exemple de Aloub Kagne amna ay ancienne carrière déjà sédimentée am phosphate am ay guy ay yu fa daanu ay mat ak yeb yu jaxaso ces carrières nagn ko ensevelir Aloub Kagne ci bopam niko yalla bindé
C'est un grand collecteur d'eau. Il suffit des aménagements. Si nous sommes ingénieurs, aménager de sorte que l'eau soit ruisselée, nous avons cantonné. Def ko dans des bassins au moins pendant 6 mois, dinañ ci mëna liggéey, ñu former des xalé yo xamni c'est des producteurs dans ces techniques, créer des marchés yo xamni ak ay unités de conservation et de stockage yo xamni nit ñi dinañ ci liggéey au moins bu féké ni am nga benen activité boy def pendant 6 mois au moins di nga ci mëna liggéey. Donc lolu je crois que bu ñu ci appuyer, organiser les femmes à la base, ce qu'on appelle les caisses autogérées qu'on a. Ba nga xam ni yow do tok di dem ci mutuelle bo bayé nga dem rembourser bu nawet bëgg jotaté wala campagne bi jotaté nga dem ci caisse gi rapidement bi nga xam ni mi ngi ni ci sa biir dëkk nga jëlat gestion bi ñom ñokay defal ci seen bop ku ci nekk jël mëna démat duggi wat li nga xam ni moy sa mbay. Donc lolu vraiment je crois que bari may gërëm ñëpp di santé ñëpp parce que aussi lima bëgg wax fofu li dañ ko wara gëna yaatal yaakar na ni salle biñ ko def ni sax généralement c'est des salles de spectacle wala ay yenen lañ fi def mais li mo upp solo parce que li mo meuna yobbu Sénégal ci kanam ku la ko xamni dang ko abal sa biir ko abal sa biir mu jëme la fumu la bëgg jëme jërëjëf monsieur ci partage bi nga partager ak public bi jërëjëf li nga wax deug la sa biir mom do ko denk ken waye ñepp ni nit ñi ñëwé fessé salle bi ni moy woné né rek mbay mi nek na lo xamné ñepp xamné njëriñam tay ci Sénégal bu ñëk ñi nga xamné dañoo yaakaaro dañoo gëna néw doole rek ñoy dem ci mbay mi waye tay yaakaar na né ñi ëpp xaaliss ñu ngi cey déllu ndax té légui l'agriculture est devenue une activité centrale, une activité rentable. Da ñepp ñu ngi ci dugg ma sha Allah togaay bi xamna ne yag na ñu xam ngeen ni agriculture et ak culture dafa and te lima doon wax sank ne agriculture bi nek na tay activité centrale ci réew mi même ñi nga xamne ay artiste lañu ñu ngi ci dugg ay Ismaïla Lo way nako ñom Yusundu amna yenen gone yo xamne ñu ngi fi ci bir Dakar itam agriculture bi mo ngi leen di inspirer ñoñu bok na ci vidéo bu bes bo xamne ñëwoon nañu daaw ren itam ñu ne duñu manquer soirée bi fokk ñu ñëw bok ak nit ñi célébration agroécologie ñu déglu leen ci avant ñu déllu wat ci waxtaan wi bayi len sunu souf bu lal sama souf ma bagn ma lank ken du lal sama souf bagn na lank na dotuma ko nangu waxe suno ceux qui exploitent nos terres sans droit de le faire que faut-il faire l'Afrique dit non. Il est l'heure de donner l'alerte, sonner l'alerte, faut que ça s'arrête. Ma terre, ma vie, nous donne, mingi wey, nous qui fort que tu souffres, nous qui note sur nous wey, nous donne, nous qui jaï sur nous souffres, nous serons n'y qui jel, et nous serons tambli chouf sur nous souffres. Baykat n'y joy, espace sur nous mom, le nous jel, te du yon, pour nous jem. Wuti te lo la jok dana dem bebe sew chaf dana xam alla be ngi joy nat baykat yep joy nan maral be ngi yot bekor bi di not jaym souf bi doy na buñu nangou di lebel politique ko jital khalisa ko bot souf si la niot fanay ne na mo bañ lo xoyam ci kaw fanay wi be ngida go pele di amen bien ser me tede ngel foute a la place non non non
bay wi be ñi da ngoppé lay di amen gessé remété lé ngir fuu message dans la bus ngalu am ko lé ngoppé ngoppé ngalu am ko ndi lé ndi ko ndi chatumi taw ndi tawru mi jiknaabe mi weddima era jom ngalu ballo e mi ju am taw taw so mi dewi na fore ndi leydi buri mum limotaako kala faggudu ko e mayri ndema awo ngaynaako leydi ndi ko ndi taniraabe ko ndi mamiraabe e yonta men hande dariibe so en jawti ko bibbe men lomti Une fois de plus on a les mains liées Cette trope de chair contre des reflets 400 ans après ils sont revenus Ils veulent nos cœurs pour des revenus oh. Ils nous colonisent, ils nous utilisent Esclaves au champ, ils venaient nous chercher Ils n'ont plus d'espace pour leur survie Ils violent nos terres, ils veulent exploiter Johnny Dema Nati wode Dawdi Sarima Johnny Top ala Gauri Gassi Aina be nogi yoro liñuy baye lañuy dundé suñu souf si buñu fi jélé sam kat bi nap kat bi sove mbay mi juriyé dex yi Wamban panay changay is no walo perlo futa say no kaza tamba kaulak no fanay mi benida gope lady amen yesere metede ngel futa la place Benida, dope lady amen. Yesere metere, ngel fute a la place. In my country, yo mi joge bitim rew. Baye sa musu. Duma ja, duma afri. Duma adi ko tayni. Baye len sunu sunu. Sunu suuf sunu bakkan Bayi leen sunu suuf Merci Merci beaucoup Nous faisons partie de ce plaidoyer Nous faisons partie de ce plaidoyer Pour ne pas dire cette fête Je pense que Bide Oubès Gisngenko aux côtés des populations Donc, je pense que ce qui se passe ici, c'est un combat légitime, c'est un combat des droits humains, parce que et je pense que c'est très très important. Donc, Bide Oubès est là, aux côtés d'Enda Pronat. On revient tout à l'heure, on vous laisse continuer. Nous disons, Tataï, à Tonton, à Kilifeu, à Finek, la fête continue, le plaidoyer continue. Merci. À tout à l'heure. Jerejef wa Bide Oubès donc comme ni len ko waxé won légui agriculture bi dafa inspiré artiste yi comme ni len don inspiré bu jëk parce que même défena yakarna né réflexion bi won nañ ko yobbu fofu parce que li don suñu art bu jëk nga xamné ci village yi la don soxé ko ba légui tay ñu xaw ko perdre défena war nañ ci mëna comme niñ ko waxé won sank bo démé ba xamoto fo jëm war nga déllu wat fi nga joggé té nit bala ngay mëna développer wu il faut nga mëna enraciner wu ba nopi donc suñu culture ak suñu agriculture dañ ko wara préserver ñom wax nañ ci walu souf ils ont chanté sur l'importance du foncier qui est le premier support de l'agriculture lool moy indi ñu ci benen point bi nga xamné bëggon nañ ko waxtané parce que bi diñu ñi ko wax productivité parce que dañu né il faut produire plus il faut que ñu bay lo xamné goop lo xamné dana mëna dundal nit ñi waye naka lañuy fexé ba agriculture bi li nga xamné moy support bi ñëk suuf si ñu mën ko aar parce que sétlu nañu né au Sénégal on peut le constater bassin arachidier fi mu ñëkkoon fofu lañ doon défé guerté
ñu dag garab yi comme nuko Meysse Fay waxé front bi di bouger di dem ba les terres neuves yi ñu doon wax côté Tambacounda mu joggé fofu dem ba ay Kolda ba suñu deful ndank sax ñu genn réew mi donc préserver support bi dafa am solo motax ñu bëggoon wo ben jigen bo xamné ta jigen yi ñëwuguñu fi yek ci podium bi te jigen yi dañu am solo ci liggéey bi xamnañ ñew ci walla mbay jigen yi am nañ ci rôle bu am solo bo xamné ñu koy liggéey ci phase yépp ci début bi ba ci transformation bi ba ci tini ñu ngi wo fi mam naka la way tour wi mam Kumba ki nga xamne mo ñu defalon talif bu am solo ba daw mais tay dañ koy wax mom ci walu liggeyam mam Kumba xawma ndax mu ngi ci salle bi su nekkene mu ngi ci mu ngi fi mu ñew wax ñu ci walu naka lay agroécologie mam Kumba bismillah dañu bëgg comme yow da ngay bay di jaay say produit mais tay du jaay produit bi mo ñu soxal moy yow mi nga xamne ya nga yor sa tol di def mbay mi nga xamne mom lañu am mbay mu sel mi te mucc ayib naka différence bi nga xamne amna ak ki nga xamne mu ngi sa wet te deful ni yow sa souf naka lay est ce que yow souf te souf naka la gina dundé ko souf bi ki nga xamne mom ngi def liñ nane agriculture conventionnelle salam alaykum mbolo mi ma ngi nuyu ñep sen tour ak sen sante ñu tamul ci bismillahir rahmanir rahim yalla nañu yegal ci alhamdullahi rabbil alamin ma ngi nuyu ñep autorité yi fi ne ñep di nuyu wa enda pronat enda graf ak enda tiers monde yep di nuyu fédération yi fi ne di nuyu fenap wa ñun jigéen ni sénégal de dañuy bay mbay mu sel te muccu ayib mbay mu sel momu man ma ngi fété yo ci walu mbay fété yo ci walu jaay fété yo yi ci walu sabu ci wergu yaramu doom adama yi wa yaag ma wax ci souf ci xam nga mbay mu sel bokoy def il faut ñu jangal la nan ngay defé sa tos lool ñu naan compostage nga am ay compostière ñu former la ci ba nga xamni tagal la ci ba nga xamni yow bo démé ci sa tool do soxla lenn lu dul loola nga neubal mom ngay liggéey ci souf parce que xol nañ ni engrais bi ak produit chimique bi yak na souf ci ba souf ci amatul njari souf su amone doole neew nga doole souf su amone mbay mu am solo bo daan bay ton legui yaangi ci 100 kilo ndax souf su de lolo tax ñun ñu jog ñu ni mbayum ciosan mi amone dem muy mbay and ak wergi yaram and ak wergi jabot di mbay mo xamni mbay mu mucc ayib la da ngay ar sa bop ar sa njabot ar gantax gi ar mala yi dox ci souf ak ci kok lepp ngay ar mbayum bio nenañu borom xol bu bon du ko def ndax boy bay bio sa xol day nat sa xol day bëgg luy dudd sa xol day bëgg lu am wirgi yaram nonu ngay bëgge souf ci dudd ba do ci atana la lenn luy engrais wala pesticide kuy bay bio bëggo romb sax magasin bu jaay engrais waxuma ak di jaay produit so sañon soy bay bio buñ duggé sa wa nak fekk fa ay xar wala ay bay wala nga yor ginar yo xamni ginar local yi la nga mën ci produire sa fumier wala yo nga jégué jën yi ba nga xamni di nga mëna neubal sa tos bo xamni tay bolé ko flavo yek yep ba dundal sa tol ba do soxla benn produit chimique bo ci def laaj nga ma souci way dina la laal tour ci produit chimique lim nuy indil produit chimique ci bopam dafa ray sunu yaram yi ba amatuñu genn wergu yaram legi ko gis ay tanka ma ngi metti amul xalé bo xamni wessu nga fanwéri at ak juroom ta boy dox do japp nu ba ngay suguut yax ya fa feuna so gisé lu waral lolu ñam wi ñuy lek alimentation bi ñuy dund produit chimique bi da ko ray muy culture conventionnelle bi ay lu téñu bay bayu mbiyo dundal askan wi dundal jabot gi dundal xalé yi dundal jigéenu wéril yi and ak sunu wérgu yaram mbayum conventionnel amul benn njari tay ji bo jëndé kilo concombre fé bu bio jënd fi ko concombre conventionnel dem tek ko sawañ bu suba so xeyse concombre conventionnel ba yang ko fekk xel li ba do noy concombre bio bi ding ko fa tek une semaine der bi sax du fof
kon nga xamni momu mbay wuté na tay ji nga lek ko suba bu jot ya nga dem tol ya nga bot sa produit ben ci nit ñi ni da ngay produit sa tol nga japp sa pompe produit ba produit bi toy né nga gantax nga produit dé waye produit nga sa bop ndax yow produit ba nga def ci tol ba xamo durée d'entrée ndax produit bu né amna durée d'entrée amna une semaine amna 2 jours amna 15 jours amna 1 mois amna 2 mois yow nak xamo dara gisso sax étiquette bi ñu né la sinwa lan la jaay couvert gi nga dé ah ginnaw suba rek ma wit daal niko ci paye ci sinwa ba doom yeni ni nga daal di dag ba ka dagge nga dem sa kër mis tour sa bop di miti ñu né ah mom kat légui la joggé tol bop ba ngi miti ñu daal di xiw mew jox la nga né la nak dé ñu né ah mom dé tol la joggé lula ray produit ba nga yendo bot fu ne nga awale ko fa ngelaw la delu ci sa kaw amul ben masque lo bo yor amo len lo aré sa bop non nga ñak aré sa bop nga ñak aré suuf sa ñak aré dom jeufay dugg ñak aré yaaje indi añ ñak aré surga bay bay ñak aré sa bop yow mi sa bop parce que tay ji produit bop nga def durée d'entrée bi 15 jours sa jigen dom ji nga bot de 0-5 ans mi ngoy noy femme enceinte bi ci tol bi di wit mi ngoy noy mère bi ci tol bi di dajale bagage mi ngoy noy ñom ñep ñu dem durée d'entrée bi 31 jours ñu yendu ci tol bi ba ngone jot ñu ñibi kenn ku ne ni ngay kon xam ngeen ni ñu ngi lor suñu bop tay ji ñu ne ñeembat ñew na ñu pour di tol bi ba mu xéñ femme enceinte bi ñew yendo ñeembat ba ngone jot mu ñibi ci kër ga bir bi ni jax ñu ni mom de deful dara mom de demul fi ah kay na noy na fasan ba bir ba ni jax ma la day talinu dem bir ba ni yuret luko yobbe fasan ba ko yobbe nga jël sa dom diko nampal ba mu wara tollu ci juroom ben wer nga ni bayna carotte bi sen edirable deg ngeen ko ñu ni sen edirable sel ta muccu ayeb yag lol ta fa koy denc tay ji nga jël sa dom mu am juroom ben wer nga dag ci sa tol as carotte dag as ñambi dag as jaxatu boole togal ko def ci touti bisab mu am ferñeen nga jox ko xalé bi bu ëllëgé nga dem dag naajo ñew jox ko xalé bi amul ben pesticide dans 6 mois ba 12 mois xalé bi day am poids du wacc ben yoon ci ligne bi nga jël nak légume bu yomb bi ci téré ni nga yaqé suuf si nga yaqé légume bi nga lek ko do am ben vitamine do am micronutriments do am dara fa xalé bi nek un enfant malnutri do ko pécé mu dem do ko defiste mu dem yaay ji faj bay beug de bay bi faj bay beug de ñu mujj ko yobbu hôpital xalé bi ne lolu lepp produit be koy indi kon dama ni nañ delu ci mbayum ciosa dañu tagat jigen ñi bañu mëna mbay mu mucc ta sel ayib ñu ngi ci tol yi ñongi gabbu ñongi wit ñongi bay di jaay di indi ci marché bi ñaar fukki deureum le prix yi rawante nga denc sa ndug juroom ñetti fan dara du ci sik sa bo ko togge ci am nak bu ci dina baxé odor bay genn bokul ak odor bay genn ci pesticide ba boko togge ba ci li bax do gis ben diwlin bu xelli aw ne budul diwlin ja nga togg budé conventionnel bo togge diwlin tabate ci aw ni diwlinu produit bi aw ni muy ñaari diwlin ci bir ci li kon nak dama ni nañ delu ci mbay mi mucc ayib tay and ak wergu yaram do am yax yu funax bop du la metti do dox di japp nig do lek di xalat dara da ngay and ak santé sain et durable wa yere ñep fat ma ngi nuyu ñep di balu ñep ak waxtaanu mu non na gëna yaatu way na keneen da ci amu yoon madame la ministre bëgg na nga ñew gox ba jox ñu ci ruminaay petit ruminaay ñu and ak mom mëna défar suñu élévation yaangi jox jigen ñi xari yaang leen di jox bay yaang leen di jox ginaar yi jall sil ci ñun nak sa gestunu ndax ñun bay dong dundé lañu xam bay dong ci lañuy dem makka ci lañuy tabax ci lañuy def lañu jërëjëf jërëjëf mam kumba defena bañon ko jox kaddu gi lol mom jaadul
jërëjëf mam Kumba li nga wax amna solo lol waye jangat biñ ci am jangat bi nga xamné am nañ ko ci limu jotta wax fi moy lepp dañ ko wara tek ci kaw xam xam lepp lo xamné teguñu ko ci xam xam du dem affaire bi waru ta nek lambatu même agroécologie bi muy wax ni dañ ko wara tek ci xam xam limu wax conventionnel bi wax na ci jafé jafé yi am nga xamné xamuñu kañ lañuy pomper xamuñu kañ lañ koy dindi xamuñu nan lañ koy défé parce que amuñ xam xam bi néwu fa agroécologie bi nak fimu nek pour woné nek amna djégo yu am solo yo xamné ñu koy def bi ci bir réewmi wa université Dakar sax duggu nañ ci mu nek ben liñ nane ben innovation bu am solo fimu nek ni amna ben formation buñ nane licence ak master en agroécologie bo xamné université Cheikh Anta Diop mu koy def fimu nek amna ñaari amna ben corte bo xamné déjà genn nañu lu toll ci 86 fimu nek amna deuxième corte bo xamné ñu ngi ci université ba di tambalé seni jang bala ñuy wo fi nga xam ki nga xamné mo koy topato nek professeur Karamoko Diarra ñu bayra ben film bu ndaw bu ñuy won effectivement licence bobu nga xamné ñu koy organ ñu koy def fa la ci université Dakar donc pour ceux qui ne comprennent pas le wolof non il y a comme je l'ai dit au début il y a beaucoup d'experts qui sont venus d'horizons divers qui sont là présents parmi nous depuis hier et ce soir également on a dit que l'agroécologie aussi doit être basée sur de la connaissance il faut qu'il y ait de la maîtrise de la connaissance ça ne doit pas se faire à l'aveuglette comme ça et c'est ce qui il y a un pas important qui a été franchi ces dernières années parce que les universités au niveau du Sénégal commencent à s'y intéresser et l'université de Cheikh Anta Diop l'université de Bambey l'université Gaston Berger et à l'université Cheikh Anta Diop il y a déjà des diplômés qui sont sortis et qui sont déjà opérationnels ils ont reçu dans le cadre des curricula ils sont extrêmement opérationnels à leur sortie, ce qui était différent des autres étudiants qui sortaient de l'université de Dakar. Et donc, on vous laisse un petit film qui fait un petit résumé de ce qui est en train de se faire au niveau de l'université Cheikh Anta Diop, avant qu'on ne donne la parole au professeur Karamoko Diarra. Soutenu par l'Union africaine et Biovision depuis 2008, l'initiative Agriculture écologique biologique a entre autres objectifs de développer l'offre en formation académique en Afrique en vue de promouvoir une agriculture plus saine et durable. C'est dans ce cadre qu'a été créée la licence professionnelle en agriculture biologique et écologique qui a ouvert ses portes en avril 2017 à une promotion de 29 étudiants au sein du nouvel Institut supérieur d'agriculture et d'entrepreneuriat de l'Université Cheikh Anta Diop, ISAE. Cette licence a une originalité. L'originalité, c'est qu'elle est partie de l'expression des agriculteurs bio engagé dans la FENAP. La deuxième particularité, c'est que la conception des modules a été faite sur 2 ans avec la participation des populations, des institutions de l'État, de l'université et des ONG. Donc, c'est vraiment un processus participatif qui répond aux préoccupations des populations qui se cherchent à s'orienter vers l'agroécologie. Le contenu de ces enseignements, c'est entre autres, nous insistons sur le diagnostic agroécologique. Il faut qu'il soit capable d'analyser donc le système, le milieu, pour pouvoir vraiment porter un diagnostic. Il faut qu'ils aient une idée un peu de l'évolution et de l'impact des politiques agricoles sur la souveraineté alimentaire. Les étudiants également doivent avoir des compétences de producteurs d'intrants. Quand je dis producteurs d'intrants, c'est des engrais biologiques et des biopesticides autres que les produits chimiques qui sont actuellement utilisés sur le marché. On leur donne également des compétences en audit et en certification puisque pour pouvoir développer l'agriculture écologique et biologique, il faut bien sécuriser l'environnement. Et donc pour ça, il faut développer les normes
puisque une agriculture écologique et biologique obéit donc à des normes. En plus de la formation théorique, la licence met plus l'accent sur l'apprentissage pratique. Des immersions en milieu rural et des stages au niveau des fermes agricoles permettent aux étudiants d'être au cœur du dispositif agricole et d'échanger avec les populations et les acteurs au développement de l'agriculture biologique et écologique. Cette partie pratique, elle est fondamentale. Vraiment, elle fait la rupture avec tout ce qu'on a fait jusqu'ici dans les universités. On ne peut pas faire de l'agriculture dans les laboratoires, ce n'est pas possible. Il faut faire de l'agriculture sur le terrain. Et donc, la mise en situation réelle des étudiants sur le terrain, ça permet de les transformer. L'une des principales préoccupations de l'université et de l'ISAE est aussi l'insertion des étudiants. Une insertion qui se fera à plusieurs niveaux. Ils peuvent servir dans des entreprises. Comme je l'avais dit tantôt, ils peuvent être même des entrepreneurs, avoir des projets. Et même la FENAP pourrait les aider aussi à avoir le projet par eux-mêmes et qu'ils l'exploitent. Donc je crois que il y a un grand potentiel, il y a énormément de potentialité. Bon, après que les jeunes arrivent vraiment à avoir une connaissance avérée dans le cadre de cette licence. Aujourd'hui, l'ISAE est en phase de recrutement pour la deuxième promotion de cette licence en agriculture écologique et biologique. Voilà, nous allons inviter à présent M. Karamoko Diarra, professeur Karamoko Diarra de l'Université Cheikh Diop. Pour nous parler un peu de cette expérience très intéressante qui est en train de se dérouler au niveau de l'Université de Dakar. Alors, professeur, d'habitude, on disait que les jeunes, dans nos pays, généralement, n'avaient pas envie d'aller travailler au niveau du terrain, qu'ils ont envie d'être au niveau des bureaux, etc. Est-ce que chez vous, là-bas, il y a un engouement? Est-ce que vous avez remarqué un engouement de la part des jeunes pour venir justement s'inscrire au niveau de cette licence et de ce master en agroécologie? Merci beaucoup, Abdoulaye. Avant donc de répondre à votre question, je souhaiterais vraiment saluer les étudiants qui sont sur place, qui sont venus en masse. Les étudiants du master en agroécologie horticole GEDA, de la licence en agriculture écologique et biologique, ils sont tous là. Je reconnais leur casquette, et je crois qu'ils sont en train vraiment d'apprécier cette nuit, et cet environnement aussi participe de leur formation, et je pense qu'ils sont maintenant conscients de l'importance de leur formation. Pour en revenir à votre question, je donne juste un exemple, de petites statistiques, sur les deux cohortes. Quand nous avons analysé la demande, nous nous sommes rendus compte que cette formation, cette licence en agriculture écologique et biologique, est une formation pertinente, dans la mesure où nous avons constaté dans les demandeurs des médecins, des gens qui ont fini leur cycle de médecine et qui tape à la porte de l'ISAE, notamment de la licence en agriculture écologique et biologique, pour demander à être formé sur l'agriculture saine et durable. Des pharmaciens, des ingénieurs, des physiciens. Nous avons été extrêmement surpris. Ça montre tout simplement que c'est une offre extrêmement pertinente et qui répond en fait aux préoccupations des populations. Parce que la question, en fait, de l'alimentation saine préoccupe les populations. Les gens se soucient de ce qu'ils mangent. Ça, c'est le premier constat que nous avons fait. L'autre aspect, c'est également, quand on a analysé la demande, on a constaté que pratiquement 80% des demandeurs venaient, par exemple, des ISEP, de l'Université Gaston-Berger, des établissements d'enseignement supérieur privés.
autre que l'UQAF. Ça veut dire que donc, cette licence également constitue une passerelle. C'est-à-dire que l'UQAF est demandé. Je sais au Sénégal que le seul DUT en agroécologie qui existe est à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et donc cette licence qui est montée à l'université Cheikh Anta Diop constitue une passerelle pour ces étudiants-là, pour les étudiants de l'ISEP, pour les étudiants, parce que vous savez maintenant que l'enseignement supérieur privé se développe et il y a l'offre également en agriculture se développe dans ces établissements d'enseignement supérieur privé. Et donc, cette licence également constituait une passerelle. Je pense que ça montre un peu, Abdoulaye, la pertinence et l'importance de cette formation-là. Et justement, par rapport à l'insertion, est-ce qu'il n'y a pas trop de problèmes? Pour le moment, en ce qui concerne la licence en agriculture écologique et biologique, nous sommes en train de discuter avec le réseau des maires, qui sont extrêmement intéressés pour l'accueil de ces jeunes-là. Et nous sommes sur le point de signer une convention pour un peu sécuriser l'environnement en fait, d'insertion de ces jeunes-là. Tout à l'heure, vous avez suivi dans le reportage le président de la Fédération donc, nationale des agriculteurs bio, M. Diop. En fait, cette formation est portée par la demande des acteurs. C'est ça qu'il faut noter. Je me souviens quand ENDA a invité l'université autour, quand ils ont eu le projet, parce que c'est un projet qui est financé par l'Union africaine et Biovision, c'est nous, Université Cheikh Anta Diop, qui leur avons proposé, au lieu de dérouler des modules, de faire une formation diplômante. Parce que la formation diplômante, ça donne une valeur ajoutée. On l'a expliqué dans les films, nous avons fait plusieurs séminaires et tous les acteurs étaient là, aussi bien le secteur privé, les ONG, les associations et j'en passe. Et nous, à l'université, nous avons surtout organisé, mis aux normes académiques cette offre de formation qui nous a permis d'aboutir à la formation d'une maquette pédagogique. Mais ça montre tout simplement que cette formation étant portée par les acteurs à la base, les jeunes qui sortiront de cette formation ne peuvent pas avoir de problème d'insertion. Et pour rassurer l'opinion, ce n'est pas la première formation en agroécologie que l'université déroule. Je prends le cas du master en agroécologie horticole GEDA, mais tous les étudiants qui sortent, nos jeunes, ils sont maintenant en réseau des étudiants du GEDA. Ils sont insérés au niveau des ONG, ils ont dans les associations et surtout, ils développent l'auto-emploi. Parce que on n'a pas eu l'occasion de revenir dessus, mais si vous regardez en fait le curricula de formation, il y a bien sûr des modules techniques, comment cultiver, comment élaborer des biopesticides, des biofertilisants, l'audit de certification, mais également il y a l'auto-entrepreneuriat qui est mis en avant. Et ça, c'est fondamental. Et je pense que c'est ça qui va en fait permettre de résoudre une bonne fois pour toutes la question de l'emploi des jeunes. Ça, je pense que, en tout cas, pour ce qui concerne l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, je pense que peut-être beaucoup peuvent être surpris de voir que l'UQAD est maintenant dans ces nouvelles problématiques-là, développe des offres pilotées par la demande qui impactent en fait sur le bien-être des communautés. Ça ne devrait pas surprendre. Ce qui a changé à l'université Cheikh Anta Diop, tout simplement, c'est que c'est l'environnement institutionnel qui a changé. Il y a eu entre-temps la réforme LMD des universités qui a libéré un peu les énergies et qui a permis en fait à l'UQAD de proposer de nouvelles offres de formation et de réactualiser en donnant en fait une dose de professionnalisation les autres formations en intégrant des doses de professionnalisation. Donc c'est un processus en cours qui va prendre le temps que ça va prendre. Mais ce que nous souhaitons dire en fait aux populations,
c'est les rassurer pour leur dire que l'UCAT est conscient de son rôle. La preuve, l'UCAD, en rapport avec les communautés, est en train de développer un programme qui s'appelle UCAD Rural. C'est un programme qui met en avant la responsabilité sociétale des universités. Et UCAD Rural, le programme UCAD Rural, en fait, opérationnalise en fait cette responsabilité sociétale. Et je sais que le 13... nous serons avec ENDA et Strasbourg pour aller visiter par exemple le site pilote de Niachen où nous envisageons déjà de construire un site pour accueillir les étudiants, c'est-à-dire que l'enseignement de plus en plus va se faire sur site en rapport avec les communautés. Nous sommes en train de construire des bassins, nous avons déjà lancé un programme de culture, voilà, et ce que nous souhaitons, c'est en fait mettre les jeunes en immersion dans cet environnement, les mettre en rapport avec les communautés afin de développer une culture en fait entrepreneuriat, une culture de ruralité qui nous l'espérons va permettre aux jeunes d'aimer le monde rural et les pousser à s'installer dans ce monde rural là. Merci professeur, merci beaucoup. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc nous allons, il faut qu'on aille très vite. Donc nous allons inviter le maire de Taïba Niassen, M. Ibrahima Niass, très rapidement, parce que Karamoko Diarra l'a évoqué tantôt en disant qu'ils sont en train de proposer des formations à la demande. À la demande de qui? Particulièrement des communes rurales. Qui ont développé et qui sont mis en réseau, le réseau des communes et des communes et villes vertes du Sénégal. Monsieur Ibrahima Niass, nga wax ñu rek comme niko Karamoko Diarra waxé légui, fele ci université Dakarou amna formation bo xamné ñu koy def ay xalé difa def ay licence ak master nga xamné seen liggéeyu kay principal ci seen gox yi lay doon. Légui mo nga wax ñu yeen nan ngeen gisé lolu ak est-ce que commencé ngeen sax jëfëlanté ak université Cheikh Anta Diop ci walu wo. Jerejef, ma ngi tuddu Mouhamadou Habib Niass. Mouhamadou Habib. Jerejef. Di yëkëti kaddu nuyu d'abord assistance bi yëpp ci turu l'ensemble des maires ñi nga xam ne ñoo kuréelu tuddee seen bopp revés. Muy réseau des villes et communes vertes du Sénégal. Ñi nuyu madame le ministre ak autorité fi nekk yëpp. Li nga wax danaka mooy solo parce que Marien wax na ko sànq ne bi ñuy participer ci première édition bi bañ fa jógee rek on a été suffisamment sensibilisé et convaincu ci véritablement ñoom li ñuy liggéey parce que li ñuy liggéey ñun lañu koy defal en fait parce que boo xoolee li ñu fiy wax démb ba léegi agriculture la environnement santé tout ça dafay nekk am na ku wax sax ci suba ne agriculture du compétence transférée waaye boo xoolee rek compétence générale du collectivité locale da nga koy boole ci suñuy itte kon lépp loo xam li ñu ko fiy wax ak ñu ngi koy jëf dafa naa ku ci yëngut rek ñun nga koy defal moo tax bu ñu fa jógee la ñu taxawal rêve li mu posé nag comme question maanaam li université pare pour def ko ak collectivité locale yi ñun dañ koo rafetlu ba tax na ci suba sax la ñu wax ak Karamoko ne danañ dem ci signé benn protocole boo xam ne mooy permettre ñu accueillir maanaam ñooñu ñuy formé kenn ku ci nekk moom dafa wax sax lan ngeen mën a jël ci 30 ñu ne ko 30 yëpp dañ koy jël dañuy jël 30 yëpp yóbbu leen ci gox yi pour que dèjà ñoom ñu xam ne lii ñuy def jox nañ ko solo bi jox nañ ko gëdd gi ca dafay bokk si ñuy liggéey la parce que boo ne agriculture Sénégal mënoo wax ne bëgg nga koo développé ca donc li nga xam ne mooy mbay mi doo ko gëdd gi ak solo gi mu am waaye nag gis nañ ne li soloy suus yi parce que léegi Ablaye wax na ko boo demee ci bassin Arachidié véritablement mi ngi déplacé jëm vers le sud parce que quoi suus yi dee na ci il faut que ñu dundalaat ko
pour dundalat ko moy fexé ba ñu jëlé ci li ci wara joggé pour ñu dundé waye aussi ñongal ko ba génération yi ñëw ëlëk mën té jërñu lool nak képp kuñ gënk gox ngay maire je crois que sa première préoccupation moy mbir mo mu nga défal ko parce que dañuy wax toujours affaire du foncier mais foncier doute sécurité bi rek waye foncier aussi moy pour nga ar souci fexé ba mu dund toujours pour que génération yi ñëw ëlëk mën ko jëfëndiko lool nak ñun en tant que collectivité locale suñu compétence la compétence environnement suñu compétence la ba taxna véritablement encore une fois dañuy rafetlu ligéyu Pronat nga xamné véritablement ñom depuis toujours ñi ngi donc ligéy ci lolu ba taxna ñun tay ji rêve jël na en tout cas matoyam pour que lepp lo xamni li war na ko def ci walu wu mu taxaw ci pour que mu gëna jëm kanam waaw jërëjëf Mohamedou Habib Niass ci cadeau yi ñu koy rafetlu bu baaxa baax fi mu nek temps bi ñu déssé bari wul fi mu nek dañu jox cadeau rek Abdourahmane Faye bi nga xamne mom mu ngi ci ministère de l'agriculture yoré wala formation mu sanni ci ay cadeau yu ndaw rek bu ko défé ñu jox après canouté mom té mu teunk rek ci message avant ñu jox ministre de l'élevage bi nga xamne wax nañ ko fi interpeller nañ ko lu bari agroécologie mën ta am té élevage amul agriculture ak élevage lañu mëna intégrer pour ñu wax agroécologie comme ni ko mam yi done défé kon bok Abdourahmane ci wax bi nga li ñu formation bi nga xamné tuddu nañ ko ci walu UCAD té yeen ministère agriculture ngeen am fa tamit volet formation bu am solo cadeau yu ndaw rek avant ñu jox canouté merci beaucoup président je voudrais saluer toute la salle je voudrais saluer madame le ministre Je voudrais saluer Madame Sow et vous remercier de m'avoir donné la parole pour m'adresser à cette salle. Je voudrais juste partager les motivations, les raisons de ma satisfaction. Je suis très satisfait d'abord de prendre la parole pour parler de formation. Je n'étais pas préparé à prendre la parole. On m'a demandé dans la salle de prendre la parole pour parler de formation après un film sur la formation. J'ai considéré que tant qu'il s'agit de faire une formation, j'ai toujours quelque chose à dire. J'ai toujours quelque chose à dire, surtout en formation en agroécologie. L'agroécologie, je considère que la nuit d'aujourd'hui est, sera une nuit historique. Parce que c'est un troisième changement de l'humanité, après deux qui se sont passés. L'agriculture a connu l'ère de la révolution agricole. Pendant 400 ans. Ensuite est venue l'ère de la révolution verte, pendant plus de 50 ans. Aujourd'hui, une nouvelle ère démarre. C'est l'ère de l'agroécologie. J'ai entendu un expert de l'ISRA nous rassurer que l'agroécologie peut faire tout ce que l'agriculture peut faire et le faire mieux. Mais j'ai dit Alhamdoulilah. Parce que de toute façon, s'il nous avait dit que l'agroécologie, ce n'est pas possible, on a d'autres choix, on n'a pas un autre choix que de faire l'agroécologie. Donc c'est pour ça que je suis très satisfait. Nous entamons un grand changement historique. Et quand on entame un changement, il faut éviter trois choses. La première, c'est faire le changement parce que les autres le font. C'est faire le changement... Parce que c'est un effet de mode. On fait un changement parce qu'on y croit. On fait un changement parce qu'on est conscient que l'avenir n'est plus à ce qu'on faisait. Deuxième erreur qu'il faut éviter, c'est de faire le changement avec des hommes qui sont mal préparés. La licence agroécologique est une excellente chose. Mais la formation, c'est une question de système. Avant d'arriver à la licence, il faut être à l'école pendant plus de 20 ans. 80% de ceux qui vont à l'école ne passent pas 20 années à l'école. Donc il faut éviter de s'en limiter à la licence et de laisser en rade la plus grande majorité des hommes et des femmes qui sont appelés à faire ce changement-là. Troisième chose, qu'il faut également éviter, parce que je parle d'histoire, puisqu'il est question d'agroécologie, il faut former les hommes et les femmes.
Mais il faut former tous les hommes et les femmes. Il faut les former en quoi? L'erreur qu'il faut éviter, c'est d'aller en classe pour faire une formation en ouvrant un livre pour copier des chapitres. Si on veut un changement que nous maîtrisons, il faut que nous regardions auprès des populations, auprès des acteurs, que nous apprenions à leur côté. Et c'est ce qu'ils font que nous devons transformer en connaissances et partager ensemble. C'est ça les trois erreurs que je voulais éviter. Je souhaite, Madame Sow, qu'à la prochaine nuit de l'agroécologie, qu'on puisse dire que à la deuxième nuit, on avait une licence en agroécologie, mais aujourd'hui, nous avons d'abord plusieurs licences, mais nous avons inscrit à tous les niveaux, les échelons du système éducatif général, l'agroécologie, pour qu'il n'y ait aucun compartiment du système éducatif qui échappe à l'agroécologie. Merci. C'est vraiment les trois choses que je voulais partager. Je vous remercie. Merci pour ces belles recommandations et des recommandations très utiles. Et nous allons passer la parole à M. Kanouté qui va nous donner justement les recommandations qui ont été formulées au cours des deux journées. Les messages forts qui sont sortis des deux journées de l'agroécologie. Très rapidement, Kanouté. Avant qu'on ne donne la parole à Madame le ministre. Les messages forts qui ont été formulés au cours de ces deux dernières journées de l'agroécologie. Merci beaucoup, Abdoulaye. Je voudrais saluer d'abord le ministre et remercier Enda Pronat de l'invitation qui nous a été faite et aussi d'avoir pu participer à ces deux jours d'où il est sorti des messages extrêmement forts. Le premier, c'est la nécessité d'appuyer l'agroécologie. Et il s'agit particulièrement de penser en termes de subventions. L'agroécologie fait face à une concurrence extrêmement forte de produits conventionnels, de produits qui viennent d'une agriculture à bas prix, d'une agriculture subventionnée. Si nous voulons promouvoir l'agroécologie dans nos pays, il faut qu'on puisse faire en sorte que le différentiel de prix qui fait que le produit agroécologique ne peut pas être disponible pour ceux qui sont des bourses faibles, il faut que ce différentiel de prix, nous puissions le faire prendre par quelqu'un. Et ça, évidemment, ce message, ça s'adresse d'abord à l'État. Deuxième message fort qui est sorti de là, c'est la nécessité de diversifier les lieux de formation, les étapes de formation. On a parlé de l'université. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut qu'on puisse maintenant aller vers les paysans et faire en sorte que, à ce niveau, la formation puisse encore plus se développer. Ça, c'était un message extrêmement fort qui est sorti de la session durant laquelle nous avons aussi pensé en termes de transfert de compétences. De plus en plus, il faut que nous puissions territorialiser les politiques agroécologiques. C'est une compétence transférée aux maires, que les maires se soient mis en réseau, et évidemment quelque chose que toute l'assistance a salué, parce que c'est à ce niveau qu'il faut que nous puissions travailler pour faire en sorte que l'agroécologie puisse vraiment s'ancrer dans les réalités. C'est là que ça doit se faire, c'est là qu'il faut l'appuyer, et que les maires, l'université, les paysans, la société civile, que tous ces acteurs ensemble, à côté de l'État, disent qu'il est le moment et mûr pour que l'agroécologie puisse porter ses fruits. Cela était évidemment un message extrêmement fort qui est sorti de ces deux jours de session. Je vous remercie. Merci, M. Kanouté, d'avoir été très bref. Vous êtes allé droit au but. Maintenant, la parole revient à Madame le ministre de l'Élevage. Madame le ministre, vous avez suivi presque la totalité des interventions.
Vous avez entendu ici ce qui a été dit, ce qui s'est dit, qu'est-ce que cela vous inspire? Assalamu alaikum bokk yi ma ngi nuyu bokk baykat yu goor ak yu jigen yi fi dajé yépp ci bir nuyo bi ma ngi jital nuyo bi ci ministère bi nga xamantene dafa nek ci sunu kanam ñu diko sargal di contane ci tew bi mu tew ci walu baykat yi dafa dul rafet nit défar la ba nga don nit mu tew ci mbolo ta leralu lolou jigeni jander jigeni pout jander madame la ministre bi tok communauté rurale bi nu dekkone mu ngi bok ci communauté rurale test du sénégal mu genn école nek monitrice rurale ne man communauté rurale jander lay dem liguéyé madame la ministre mo formé premier groupement gpf du sénégal jander la juddo groupement bobu nga defar moy jur ay groupement ba law sénégal amine tan mu ngi lay geureum mu ngi lay ñaanal nga dendetam ak ko xamne dama ne vous n'êtes pas des femmes par la taille mais par la raison et par le cœur yeen da ngeen defar ay nit ndax mari momu nek ciowet waxon nak dama koy waxat je suis la présidente nationale des femmes rurales mais 99 bobu réseau du doulde Aminata Tall était la ministre de la femme ñu organiser à Gossas journée de la femme rurale mu jël enveloppe def ci xaliss né dem len fa femme rurale yay dajé vous êtes des femmes rurales ngén joxé sen participation lu ñuy sédel ngén am lu ñuy bolé bolé len ci on vous remercie Aminata ngui lay ñaanal marem nu ngi len di ñaanal nu ngi ñaanal organisation yi ak partenaire yi fi tew mais tam 45e anniversaire enda kër mon warna ci wax ab femme rurale la muy def ay rapport ci di muy liggéeyal di ma yobbu mohammed soumaré yalla nako yalla yeureum parmi les photos mu gis mané ka ki day dem AG bi tunisie ngén yobbu ma tunisie def ma membre conseil d'administration enda kër mon fu ngeen di réunion yobuma ta femme rurale la ngone li leen war lepp def ngeen yal na yalla yok leen je vous remercie jerejef ñu jox mais madame le ministre vous pouvez rester mo indil la fofu micro bi mais nak bo ñewon fi la légui légui mbokki assalamu alaykum fi tay bima fi ñewé kolleri moma fi indi ndax bima mariam di wo ma nga sama bureau di préparer ben note bo nga xamné réunion bu am ñame demain mom la doon jox président ci walu sécurité alimentaire bima mako waxé mané man di yegoon na programme du wayé comme dama warona tukki tay à 5h du matin dama narona daw waye comme marem wonama ba jotma il faut que ma ñew mbokk yi ma ngi rafet lu bu baakha baax rencontre bi di nuyu kilifa yi ñi nga xamne ñoo jité enda ak yenen acteur yi fi nek yépp les partenaires techniques et financiers di nuyu bu baax tamit l'association des maires ndax ñi ngi liggéey ak ñom liggéey bu am solo di nuyu producteur yi fi tok yu jigéen yi ak yu goor yi waye gis nga lima dégg tay li ki wax daf ko firndel tiné ndoy ñom marem saw ñi ak fat bokum du ñoy yagg liggéey man fuma leen séné je pense d'abord à Famara Diédiou
yeen ki len formé dougal li lepp ki sen bop famari djéju la d'abord formation yi ñu fi wax yépp man fatlikuma ku fi wax tay ji té formation yoyu ken expérimenté wuko déjà sur le terrain la formation par alternance di jang di déllu sur le terrain di yobbi li nga jang di jëlé ci terrain ba la nga fa gis dik di alimenter les nouveaux curricula ba ko maison familiale dalé def yagna kon bu ngeen démé enda di fa def li man ak buñu cour dama ko fawone dama nan xulo ak mom régulièrement nak fuñu dajé il faut ñu xulo di soga gindi konté parce que momitam kenn mënu la wax enda te tuddo ko ñun au niveau de l'animation rurale biñu bëggé am une expérience d'animation urbaine enda mo ñu offrir opportunité bobu ñu organiser fi à Dakar particulièrement vers ces grands yofa n'est-ce pas ñu organiser fa ci walu animation urbaine nan lañu mëna def pour gérer les jeunes pour gérer les femmes surtout jeunes yi nga xamné duñu daan jang té sen jang yegul ñu sét nan lañu leen mëna jappelé bañu am lénen luñu def kon buñu ñëwé tay fi war nañu gëreum buñu cour wara gëreum Cheikh Amidou Kane leur rendre hommage la construction d'une conscience citoyenne enda ci ñuko fi jëk promouvoir ñuko fi jëk vulgariser ci lañu bok kon vraiment li ngeen di def monsieur Kanouté ñi ngi leen ci féliciter ñi ngi leen di encourager au niveau du ministère de l'élevage am nañu programme bo nga xamné ñun ak wa enda ñoko bok muy le progrès lait fan yi passé dem na dëkk bu tuddu Jamanouta dans le département de Medina Yoro Fula mais bu ngeen démé ba gis à travers un programme d'énergie lañu fa def pour le développement de l'élevage particulièrement la valorisation du lait lu ngeen defone ci projet bobu avec les partenaires di ngeen ko yok parce que tay lu tolok 49 troupeaux ñagay rat sen mew di dik diko transformer fofa sur place lañu koy transformer en fromage am nañu sax label suma yegone andil len ko parce que duñ ci bind label MIF Medina Yoro Fula lolu moy valoriser le liguey bi nga xamne nit ñi ñing koy def en milieu rural kon ma len di féliciter pour lolu parce que partenariat la buñu am ak la République islamique de Mauritanie ak yeen mais en tout cas suñu wall ñing koy def na mu waré ben énergie bañu fay produire 20% yi rek le mini lettre bi soxla 80% yi ma ngay éclairer dekk ba ma nga wara servir à 111 familles yo nga xamni war nañu ci am électricité bi may laaj ben jigen juma dendalon munima sunu dom yi bu jekk pour ñu jang goudi c'était difficile mais tay en attendant que courant bi dugg ci bir kër yi ñi ngi jang ci photo lampe yi comme niko xalé yi ci université fi di défé de parfois donc lolu ñukoy rafetlu bu baax benen bi moy agriculture ak élevage je crois que kenn mënu leena séparer té ku nek xamna tamit ke bu jëk bi nga xamanteni engrais amul bi nga xamanteni pesticide amul li nga xamni mom la baykat yi doon utiliser moy li nga xamni mom lañuy jëlé ci tos bi nga xamni ci animaux yi lay joggé donc ñom ñaar il faut que ñu continuer di and en tout cas ñun ñi ngi rafetlu bu baaxa baax ndaje mi amna recherche yu bari yo nga xamni ci walu wowo je crois que Isra def nako mais Sénégal tamit souvent duñuy def beaucoup de recherche mais pour application bi fay poser toujours problème donc ñun nak ñi nga xamni man ci yeen la bok yeena wara dem au niveau des instituts de recherche amna ko ko wax fi pour la formation sen bëgg bëgg ak li ngeen fi ngeen bëgg yegg fi ngeen sukkandiku batay ñu créer au niveau de l'université licence bo nga xamni ëlëk ak sibir xalé yu ko yor dinañu mëna nek sax ay entrepreneurs ruraux dem liggéey ci kaw gi lolu également war ngeen ko mëna def ak institut de recherche tant que la recherche et le développement anduñu vraiment liggéey bi du mëna démé ni nga xamni non la wara démé sama waji lélé ma gis ko mi ngi arrière rek di déllu ci rek mais vraiment je voudrais remercier également les partenaires parce que Enda n'a pas été seul dans surtout son parcours. Il a eu des partenaires qui ont cru à ce que voulait faire l'Enda, à ce que faisait l'Enda et qui les ont appuyés. Voilà donc ce que je voulais dire. Je rendrai compte à Monsieur le Président de la République
pour que l'accompagnement de ENDA, parce que ENDA a toujours été accompagné. Moi, je me souviens bien, avec Ben Madi Cissé, on a eu à donner les premiers agents qui ont travaillé pour ENDA, et c'était des fonctionnaires qui ont été affectés à ENDA, donc pour appuyer. Donc, ce qu'on peut faire, Son Excellence le Président de la République, taxawna en tout cas pour diapanté ak ñepp pour joxanté ak ñepp loxo parce que dans le cadre du plan Sénégal émergent agriculture écologique daf ci am walam l'agroécologie daf ci am walam té yakarna ni lolu lepp lo nga xamné yéne nga ko ci bëgg ci walu ba ci subvention parce que actuellement ñi ngi subventionné lu bari donc ci walu li ngeen di liggéey également bu ngeen ci lajone subvention wala ngeen jox taxaw porter loxo quelque chose dina ko def damay jël rek exemple ganar amna ñuy def fi aviculture amna fi ñuy yar ganar ko yar ganar ku nek xamna ni subvention biñu ci def mo upp sax jël xaaliss diko def ci bour subventionné depuis 2005 état du sénégal dafa tej ay frontièream yeen ñepp gisoon ngeen jamono ya fi kubis de poulet yi di duggu jamono ya fi tanku ganar yi duggu ben yarkatu ganar jaayatul won donc de 2005 batay on est en 2018 ñu fermer sunu ay frontières né europe duñuy subventionner sen agriculture amérique da fay subventionner agriculteuram président de la république momitam du ubi frontières yi tant que nekkunu à niveau am les investissements qu'il nous faut pour que ku dik ñu mëna compétir ak yow de façon égale kon mbokk yi ma ngi len di gëreum je vous tends la main dans le domaine également de l'autosuffisance en mouton dina xol nan lañuy gissenté pour mëna waxtaan pour ma man len jappalé merci jërëjëf madame le ministre légui ki nga xamné mom moy mom lañuy mujjë jox kaddu gi madame Fatou Batassi nga xamné mom moy présidente conseil d'administration bu Indapronat mom lañuy jox parole mu tontu ministre bi avant ñuy wa bidéw bu bëss di tej soirée bi madame Fatima Tassi Merci Abdoulaye je croyais que je devais parler avant madame le ministre merci mes propos vont être très brefs Comme madame la ministre dafa wax wolof donc je suis obligée de parler en wolof limay wax dina gatt c'est juste pour geureum ñep ñi nga xamne ño fi nekkon demb batay di liggey ak travail scientifique bi ñi nga xamne aussi ño wul ci
de son part d'agroécologie. Crying, crying, farmers land is crying. Wow, the cold, don't be that home. Juliet, got a pea, person. Souffle, oxygen, souffle ni mudu soufay sax soufle ni dekk soufay tax nour gi di ba gantax gi megn suñu dundu naat ñokoy gas ñokoy toy ñokoy xalat ñokoy as ñokoy polio def koy doom ba ñu mi koy fatte di jox lu mu mo situation is serious serious global warming makes land furious furious couche d'ozone bi yak den dangerous dangerous LPD Madeleine sahara isri yaangi gëna fess gëna fess di tag garab sécheresse bi gëna xous gëna xous le vie suñu lak yi di gëna jéx na jéx bi yak suñu naatangé suñu suuf si mu ngi joy jot na jog té na ko suñu suuf si mu ngi joy jot na jog té na ko suñu suuf si mu ngi joy jot na jog té na ko suñu suuf si mu ngi joy jot na jog té na ko Mais dans la mer, nous sommes prêts pour le combat. Together, mais dans la mer, nous sommes prêts pour le combat. La terre, c'est la vie, elle respire et elle vit. La terre, c'est la vie, elle respire et elle vit. Ci tol vider les pêches chimiques pétrole gasoil des belles écologie mu du sik dañu bëgg noy toxal len balit ci plage ak usine ar couche d'ozone da fa laaj ni pencho wa so wa penku sel jokere en sam la ta souf di sanku marrakech ba rio paris ba kyoto le phénomène est grave da fa laaj ni joko change yes the climate is changing langa langa laway you better listen to what we say Change, mama nature is drying. Sama hala mangi joy, yaman de katu akantu. Susu si mungi joy, jot na jok te na ko. Susu si mungi joy, jot na jok te na wa. Susu si mungi joy, jot na jok te na ko. Susu si mungi joy, jot na jok te na wa. Tugele me na la me. Nous sommes prêts pour le combat. Tous les deux mains dans la main. Nous sommes prêts pour le combat. La terre c'est la vie. Elle respire, elle vit. La terre c'est la vie. Le message est dans la musique. Uncle baby, sous une sous une on a baillé des tchitons, baillé des tchitons. Baillé des tchitons. Nous les baillons, nous waktan. Nañu waxtaan ñi napp di sam ci lañu bokk ci lañu bokk ngallo way consommer les local jui lek bu selé indi wër gu yaram jui souci bax na souci na guna jui produit toxique yañ cey ji tax mu febar doge doge ñagé onon lay di aw lele ki ñu nak enda ñu ci xex bi su xale bay mi suñu souci doge doge ñagé ñagé onon lay di aw lele ki ñu nak enda ñu ci xex bi su xale bay mi suñu souci mu ngi joy jot na jog te na ko suñu souci mu ngi joy jot na jog te na wa suñu souci mu ngi joy Nous sommes prêts pour le combat. Tous les deux mains dans la main. Nous sommes prêts pour le combat. La terre c'est la vie. Elle respire et elle vit. La terre c'est la vie. Elle respire et elle vit. One, two, three. Doge, doge, yage, yage.
tagué on of lady aw lené ki ñu nak enda dañ ci xex bi su xel bay mi suñu souci dogé dogé tagué on of lady aw lené ki ñu nak enda dañ ci xex bi su xel bay mi suñu souci dogé dogé tagué on of lady aw lené ki ñu nak enda dañ ci xex bi su xel bay mi suñu souci. Merci beaucoup. Merci. Merci à maman Mariam Sow. Merci à tout le monde. Merci aux partenaires. Merci aux officiels. Merci à tout le monde. Djeredjef, la terre c'est ma vie. Merci. Djeredjef, ñu ngi jaajeufal ñep wa kër Moussa, wa Jander, wa Kousanar, ñep ñi fi ñew. Donc nous remercions tout le monde et rendez-vous pour les troisième journée de l'agroécologie dans un an. Inch'Allah, ici à Dakar. Au revoir et bonne soirée.